Bienvenue à Sujet Ted. Aujourd'hui, notre invité Marilyn Jonka avec nous, Doua cachage, Liliane Blancoubinette, juste avant de commencer. Tommy and Friends le 10 février au Mtelus. Viens voir ça, sinon belle gueule, comme en dit le podcast. Si tu veux boire une bière de soif d'ici, encourage belle gueule. Et finalement, comme toujours, Eros et compagnie, si tu veux un rabais sur leur site, utilise le code Sujet Show. sujet avec un S, Show avec un S, ça te donne 15 de rabais. Je souhaite un bon épisode. Re bienvenue à Sujet tiède. Aujourd'hui, nos collaboratrices Liliane Blanco-Binette, Doua Cachach et notre invité. J'avais hâte de la recevoir, Marlène Jonca. Ça va? Non, je t'aime bien. Tu parles oui. vraiment vite, articule euh, Je peux. Je peux le c'est Mais c'est pas grave. Bonjour. Bo oui, Rebienvenue <laughs> Re bienvenue à Sujet tiède. Aujourd'hui, avec nous, Liliane Blanco-Binette et Doua Cachach, notre mieux. invité. Marilyn Jonca. Jonka. Oui. Marilyn, ça, ça va péter. bien? Ça fait fou le comment tu l'as joué, <laughs> mais c'était plus clair. Oui. T'as une bonne dégaine. Ah. T'as une bonne dégaine. Bah, je pense que je pourrais animer bah. un show l'après-midi à la TV. Ben, Juste l'après-midi, par exemple. Moi, un peu après la victoire de l'amour. Tu devrais aller à nouveau. Okay. Moi je pense que. T'es TVA toi. Oh, ouais. Ah ouais, t'es TV, tu veux donc, dire ça? Ce... Oh, ouais. okay. Ben pourquoi t'es ça, tu veux dire ça ah, à date? Non, je... non, on ouvre à à date, je suis allé zéro fois, je viens vers toi, deux fois salut bonjour TVA, à date, vous m'avez. C'est vrai Nouveau. que c'est bizarre. Hein? hein? Deux fois salut bonjour, pourquoi, zéro euh... fois, je. Surtout ouais. que ça a l'air que avoir une invitation à ça le bonjour, c'est. C'est compliqué Ah ouais. Ben ça a l'air que le monde veut y aller, puis moi sont comme bien. Ok, ça va, ça va. Euh, ça fait la file pour salut bonjour. Là. Salut bonjour, c'est mon oui, spot. Personne ça. dans les médias québécois me veulent. Salut, salut bonjour. bonjour. Gino, Shotgun. Gino puis Margot Horty sont comme. Wow. Oh, Gino. Ok, tu fais salut bonjour week-end. Une fois week-end, une fois. Euh, ok, t'as rencontres les deux, là. Oh, oui. Ok, tu fais J'étais un globe traiteur. Moi, coup. la première fois que j'ai fait oh! salut bonjour. <rire> <rire> la première fois que j'ai fait salut bonjour, <laughs> ils nous ont accueillis F puis moi avec du vin rouge. Le matin, matin? De... Oui. En passant, là. Une grande crue, on s'était off parce qu'on a bu. Ah oui, ah, vous l'avez fait, ben, oui, par gorgées, oui. par oh, pas engorgé, hein. c'est par politesse. <laughs> mais mmh. sinon. Moi, on m'ont fait vague. faire un sujet tiède. C'était quoi C'était à chaque fois qu'à place en même me demande un sujet tiède, je dis elle de poulet pilon ou plate. Ah Puis là, c'est on parle bon bon avec euh, le soleil proto puis fait que, tu Gino, il a, il a pas fait, genre, Il était pas là, mettons... Gino, c'était à Québec, OK, ça, ça c'est avec Marie. C'était ouais. pas, comme, dans le cul dans la bouche. Maintenant. Il voulait pas. Dans Elle le cul là. dans la bouche, il <laughs> voulait pas. Comme ça ordre? que les deux se font rire dans le coin. Oui, ouais, ouais, ça genre, genre, on vient de prendre position sur quelle aile qu'on préfère. Moi, j'ai dit que je préférais les plates. Moi aussi, je plate. Hé, hey, plate, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a plus de viande, c'est moins salissant. Bien, tout ça ouais. est à... Tout ça, j'allais dire un mot qu'on n'a pas le droit de dire <laughs> Qu'est-ce que t'allais dire? Euh, rien. Euh... <laughs> hey, voyons donc. <laughs> on dirait que j'aimerais ça deviner. Oui, moi aussi. Mais... j'allais dire, ça, c'est attardé. Mais ça se dit ben pas. Ben oui. Ah, on peut pas dire? Je ben pense qu'on qu peut pas peut le non. dire. Ben, non, mais que... on parle. Tu peux quand pas qu on parler parle. de quelqu'un en disant attardé, mais ça, comme étant une chose, c'est attardé, c'est correct, je pense? Hey, le monde woke, en commentaire, vous nous direz. Ben oui, c'est oui, ça qu'on qu veut savoir. Le monde woke, en commentaire, vous nous ramasserez quand vous voulez. Mais il y a plus de viande sur le pilon. Oui, mais il y a plus de coudes. Oui, oui, comme une oui. espèce de, oui, oui. de le gras. Le, non, mais le, quand tu pognes le cartilage. Ouais. Moi, oui. je l'aime sec mais oui, oui, Tu as raison. Okay. Je l'aime plus sec que juste. Moi, ce que j'aime du petit pilon, c'est ouais, quand tu t'amènes de la crème sure avec. Là. Oui, oui. Ah, c'est de la rage. Je ferais jamais ça. Mettre un pilon au complet, tourner comme tu dirais. J'ai jamais un parlé la... de tourner. J'aime au complet, puis je le tète. Oui, on a toutes nos techniques au bout. Mais je trouve que c'est plus facile avec la petite aile plate parce que. Tu peux y virer la viande de l'autre bord. Ah oui, toute la viande au complet. C'est de la bonne compétence entre les deux Par contre, on s'est que, ton première date des ailes, ça se peut pas. Mais non, moi je pense que ça se peut. Mais toi, ce moment, t'as étoile dans S'il y a des petites lingettes humides, all the way. Ben oui, t'en ris, tu moi, ce qui me met ouais. mal à l'aise, mettons, en première date, ça va être un popsicle, une banane, ce qui est phallique, pis que là, tu sais ouais, T'es un peu en mode, genre, hey, « je veux tellement pas avoir l'air. » en, en même temps, c'est un bon test. Ah, mais, même, hey, j'irais dire, là... là. mets un popsicle dans la bouche, puis c'est le gars, en première date, il est comme... Quand... <laughs> mais va. non, c'est vrai, aller à la crèmerie, c'est un pensée du bien. Ben oui. Parce que lécher une molle... Ah, oh, je sais pas. Je... Ah, mais il y a beaucoup de sorbets. Moi, j'essaie de, de, de pas verres, manger là, ces premières dates. C'est pas comme dans ah. ma vie, quand je mange, je suis le, je suis le plus cute. Fait que garde ça pour plus tard. <laughs> ouais, ouais, ouais. Manger en hein, dessous. Mais des pas. ailes, mettons. Je sais pas. Je pense que vous dites que ça se peut parce que vous vraiment des belles filles mais les les moldes, on peut pas ça. Non se mais moi, je, on peut pas là, tu sais, je veux dire oh, avec vrai. tes doigts en train ben de manger. oui, ben, ça dépend oh, des de doigts sont comment. Des doigts dégueulasses. Moi tu sais ouais. je me range les ongles en dessous de tout ça. <laughs> oh, tu dis que c'est vrai ce que tu dis. Ah, je suis tellement d'accord avec mais, toi. Mais <laughs> des ongles dégueulasses qui mangent, <laughs> ça a l'air de puer. Oh my god, enfin quelqu'un qui dit tout ce que je pense. C'est exactement ça. Des fois là quand j'ai des semaines où est-ce que regarde tu vois mon petit doigt il a roché. Attends 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 non 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 non. Garde ça, c'est rough ici. Oh! garde, garde. Oh, OK, oui, oui. Non, mais ça, ça, ça c'est une affaire de mandoline. Vous ce qu'il y avait en dessous de ça. Ah ouais. Mais là, j'arrête Je suis en train d'arrêter de me justement, en me mettant moi-même des ongles. Je les fais moi-même en plastique. Hmm. Je les peins pour que ça pousse en dessous. Mes ongles sont tellement dégueulasses. On dirait constamment qu'ils sentent la bave. <laughs> Ah oui, je comprends la baffe, puis un peu le nombril, tu sais, la senteur oh, de nombril. Il n'y a rien ouais, qui sent le nombril à part un nombril. Ça, non. je sens à le dire. Ben, oui. Si non, tes non. doigts non. sentent le nombril, c'est que tes amis si n'ont dans ton nombril. Non, le derrière de ah, mon oreille. Moi, je mets jamais le derrière mes doigts de mon oreille. oreille. Ah oui, je oui. Sais, toi, tu fais odeur-là. Ça, ça sent le nombril. Toi, hein? toi as-tu des ongles incarnés Je viens d'avoir un petit frisson de. Non, je n'ai pas d'ongles. Si tu avais des ongles incarnés, tu sentirais Un ongle incarné, c'est six fois en oreille. Maintenant, c'est. Ça sent bon, ça. Ben, pour vrai, non. parce que je suis désolé, là, mais comme moi, quand je me coupe, puis là, désolé de vous. Non, non, vas mais mes, mes gros orteils ont incarné. Est-ce que tu Non, non, mais il faut que je m'élave parce que. T'as pu. Tommy, des fois, t'élaves pas. C'est ça, je suis pas rien ben ouais. Un petit whiff » pour faire oh il sent fort. Oh. Moi, moi tout ce qui pue j'adore ça. Mon chien c'est un bulldog anglais, il cite là, ouais, ses cernes ça, là comme humide ouais, ouais, mais ça, ça, sent, ça sent un peu les Doritos puis genre c'est fantastique. Non non beau, moi ouais. tout ce qui est vers ouais. l'humidité j'embarque pas par exemple. Mmh, moi j'aime ça, j'aime ça pue bon moi, le plus, je m mmh. ah, wow. mmh, là, je m'en. Ah sent fort fort, <laughs> j'aime ça j'aime ça j'aime ça, mais j'aime j'aime ce qui pue. Est-ce est que ah, l'odeur est de vos pates vous écarte? J'adore. Non moi peu importe le plus qui pue le mieux c'est. Ah, moi, des je suis problèmes. crampée, moi. Je vais, être, je vais ouais, toujours être drôle. crampée. Je je vais tu... Mais on dirait que j'ai un cercle de personnes avec qui, même si leur, pue, leur, leur pète... Tu sais, mettons Félix, il pète, ça sent l'estimard, je vais être crampé Mais si quelqu'un que j'aille pète puis ça pue l'estimard, je vais ouais. être comme « sors d'ici, ouais. ma chienne ». Tu comprends? Il y a comme... Tu sais, mon chum, je vais être comme « pète, pète le plus possible ». Ça me fait... Je suis crampée. Il n'y a jamais un pète qui me fera pas rire. Jamais, jamais, jamais. Je trouve ça a Mais oui, oui et puis là, on joue à 1 à 4, connais ça? Non. OK. Ben là, à partir de maintenant, tu vas. Avant de péter. Nous autres, toi, faut toi, faut tu prévois. <laughs> ah ben, mes amis et <rire> moi. <rire> avant de péter, tu guesses, ça va, être, ça va être un 1, un 2, un 3 ou un 4. Prends comme si ton anus, c'était un, ben, un rond avec quatre trous dedans. Ah! Possible. Fait que là, si c'est un 1, ça veut dire que ça va être. Ah, c'est Parce qu'il y a à peine d'air. Mais si c'est un 4, ça veut dire que là, les 4 trous sont comme ouverts, fait que c'est comme. Ouais. Fait que là, tu fais. Je pense, j'ai un 2. Ça fait comme. Ah, c'est pas c'est C'est des pets venteux. Parce que moi, c'est un affaire à l'appart. C'est un super pouvoir, je pense. Des fois, je peux étirer vraiment longtemps mes pets. Des fois, je peux faire des pets que, unanimement, tout le monde est comme. Non, non, t'as chié sur ta personne. Ouais, ouais. Ça sonne. C'est un klaxon de bateau, là. J'en ai comme. J'ai jamais eu peur tout en confiance mais ah, moi moi je suis trop pudique genre hey! ouais, ça, ça je pas ouais non je suis pas capable ma coloc qui habite avec moi elle, elle, elle m'a jamais entendu elle me mais disait, tu pètes s'il te plaît oui 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 normal mais je peux pas péter euh, faire hey guys! Pff, ça je ah, suis j'admire les gens mais ça me fait rire les gens qui font ça genre parce que pour moi c'est un signe de quasiment d'amitié tu comprends mais je suis pas capable d'être réciproque avec ça donc quand tu pètes est-ce que toi, tu te censures un petit peu? Tu, tu, tu fais-tu comme. Non, non, parce que tu sais, Où je pète comme pète. il faut. Là. Ouais, ouais, ouais. Elle dit, avec dit avec toi, toi, quand genre, je suis avec moi-même, je, ouais. je pète à fond. Ouais, je à fond, à fond la caisse, quoi. Mais là, mettons que tu avais envie, là, là, mettons tu vas te retenir. Je vais résorber mon pet. <laughs> Puis, admettons que bon. tu fais je suis pas capable, tu vas faire, tu seras à pas toi, de la toilette. Ouais. Puis, tes toilettes, tu fais comme. Ouais. Ça, par exemple, pour dire ma toilette est vraiment à l'extrémité de ma chambre, dans mon appart. Puis, ça, c'est cool parce que dans mon ancien appart, j'avais chambre et porte de salle de bain en ça face. Les premières fois le... qu'une fille vient, là, une fois, j'ai parti à la sécheuse. Ouais, je comprends. J'étais comme. Tu peux comme dans, dans l'avion, quand t'es assis juste à côté de la ouais, toilette. Ouais, ouais, t'es comme. Hey, chelain, hey, je m'en vais vous. aux toilettes. T'es ouais, pas dans un nouveau monde. T'as pas traversé ça. vers Narnia, Moi... l'autre bord de Dubois, pas ouais. plein. Ouais, je vais peut-être. Je vais le dire. Puis peut-être que vous avez déjà fait ça aussi, mais d'étirer un peu votre anus pour pas que ça fasse genre non mais écarter ben tes oui. fesses juste pour que ça éme... comme juste qu'il y ait plus de trous ça oui, fait pour quatre. que ça fasse pour que ça fasse un 4 ouais, juste pour que ça fait fait comment tu ça ton anneau ouais, ben tu fais juste ouais, un peu en mode capitaine crochet peu. puis genre T'as mis ton doigt j'ai pas mis mon doigt dans mon trou de cul pour l'étirer j'ai juste étiré un peu tu tires un peu les fesses ça fait ouais « Ok, mais vous faites ça, mettons, vous prenez au moins sous vos ah, fesses. Ouais, »« ben Hey, je demande, hein, je commence dans le milieu du jeu. <rire> le <rire> le Vous, de vous avez l'asthme à la défenser. »« Je commence dans le milieu des trous de cul de femme. <laughs> »« Comment s'appelle le jeu? 4? »« 1 à 4. »« quatre. Un Un quatre. Ça n'a pas de nom, c'est ouais. vraiment mais juste. »« Mais tous les TikTok de Guess mon père ça me fait bien rire. »« On peut-tu, si jamais, nous 4 en 1 on le fait, 1 à 4? »« On le fait, mais moi, je ne pense pas en avoir. »« Ah, comment ça? »« J'ai chié avant de partir de chez nous. » Ben oui, mais on réglé. parle de pets. Ouais, pet. ouais, mais souvent, c'est moi, les pets sont toutes liées à une manière... il y aura. OK, ah, c'est comme si, si le, tu t'expulses ton air pour que la, la marde descende, genre. Pense, moi, ma je pense. Moi, ma mère, oui. elle disait que c'est un vent qui annonce la venue du grand chef caca. Puis... Oh, ah, wow, c'est cute, hein? Très poétique. je <laughs> c'est ah, touchant. Ma mère. Ah, je la changerais pas pour rien au monde. Mais moi, je pète très peu. Moi, je pète beaucoup, c'est un enjeu. Là. Je, pense, je pense que je vais le mettre dans ma bio Tinder un jour. De... Je pète gros. Je pète gros. puis Pour vrai, <laughs> des fois, parce que je vous demandais, moi, mes pètes ne m'écartent pas, mais quelques-uns, des fois, je suis comme ça, c'est indécent. Oh, <laughs> Genre, ouais. pis, mais il y en a, ah! noeud, y a, ça noeud, y a ça qui vraiment, Ça m'est vraiment <laughs> déjà arrivé de péter dans mon lit, puis comme ça, ça vient d'imprégner le textile de un, ouais, et de me dire, je vais sortir une chance, je ça. ouais Imagine, ah, ben il une oui. fille dans lit une fois que je lâche ça. Mais, Mais c'est parce qu'il y en a qui restent dans l'air probablement parce que la chaleur du pet ouais, et ouais, la chaleur ouais. de l'air est comme un peu pareille. Fait qu'ils restent bas. C'est des pets qu'on imagine la couleur du pet. Les pets chauds ouais, verts. C'est chaud, chaud, vert. Chaud, ouais. vert. Ouais. Chaud, hein? vert? Moi, il ouais. y a des bon pets que les je les pourrais donner des vois. couleurs des je fois. Ouais, vois, comme nauséabonds. Comme, oh ouais. euh, c'est quoi, goofy, là? C'est pas goofy, là, qui, ah, qu il qui avait un odeur. C'était plus une odeur de bouffe, là. Ouais, oh, ouais. C'était oui. rarement, ben, ça l'amenait. Ça l'amenait rarement, rarement, les ça, ça rarement <laughs> sur le cul d'un monsieur qui venait d'enfuser une. <rire> oh! <laughs> oh J'aimais tellement le burlesque des lunes et tout. Ah, c'est comme ça marche une pelle. Ping! Moi, le bout où t'as le temps de réaliser que tu vas tomber avant de tomber, c'est mon enfant préféré. ouais. Ouais. Dernièrement, ça fait genre deux semaines, je tombais puis j'ai regardé, je suis tombée dans un loophole de ça. Il y a des épisodes complets sur YouTube. Des Looney Tunes. Tom Jerry aussi. T'écoutes ça? Ouais. On rappelle que Doua est célibataire. J'adore Doua. Des fois, je l'écris, je suis comme. Parce que des fois, moi, je me mets à texter mes amis, mais un peu random. Tu sais, ça va faire, mettons. Une semaine et demie, j'ai pas parlé à douap, puis là, j'essaie j'ai des questions. Comment tu vas? Blablabla. Bla, bla, ouais. bla. Des fois, je suis. Hey, peut-être, je la dérange. Ça donne la que je, je me demandais ah, ouais, ça. Tu te poses plus la question là, non. à n'importe quelle heure du jour. Dans je vais mettre pause sur mon loup et tout. <laughs> la beauté, c'est qu'il n'y a pas de parole. Fait que c'est juste de la petite musique. c'était beau! C'était tellement bon! Ouais. Ouais. Mais là, il y a... ça, c'est un affaire. Ils font moins de nouvelles affaires. Ils refont et même. Les mêmes. Oui, puis ça ça a animé, tout, c'est drôle. J'aimerais ça qu'il y ait des nouvelles affaires un peu plus. C'était beau. C'était 3D, j'aime pas ça. Oui, c'est ça, je veux dire. C'était le 2D qui était le fun, genre, tu le voyais. Maintenant, c'est genre, ils ont refait and Jerry en mode. 3D oh ouais. ben C'est comme quand et ils, comme ils ont ça fait, fait ça... le Roi Lion avec des vrais lions. Tu comme là, tu avais ça... Je l'ai pas vu, lui. Ça mais ce n'est pas des vrais lions. Il y a beaucoup de monde qui l'ont. Non, ce sont pas des vrais lions, mais des C'est de sûr, boute... ça peut être dur à faire un film. <rire> 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 OK. On est rendu <laughs> à notre troisième de prod qui a perdu un bras, mais je vous jure, ça va être touchant comme ça. <laughs> c'est <film. rire> long à l'avoir. Il y avait aussi le diable de Tasmanie, vous rappelez-vous? Oui, ah, c'était oui, vrai. le martien Lui et le martien, dans Looney Tunes. Je trouve que c'est deux des bonhommes qui avaient. Qui m'ont plus marqué en tant que jeune. Yeah. Je croyais que c'était fresh, tout ça. J'sais on n'a pas, pas commencé le sujet, là. Non, non. non. Okay. T'en veux-tu un? Ben, j'aimerais ça, full. Hey, là. ça a vibré dans mes fesses. On n'est hein, on pas en direct. Ah, oh, c'est les vols d'Alexis. Connaissez-vous les vols oh, ben, d'Alexis? Oui. Ouais. C'est des, ouais, des deals, ça? Merci, Alexis, ben, oui, c'est des deals. Ça comme Alexis. J'adore que tu dit ça a vibré dans mes fesses après le 12 minutes qu'on vient de faire. C'est répète, personne n'a fait. C'est vraiment intéressant. Lui, il trouve les rabelles. Puis là, il fait. Genre, cette semaine, San Francisco, 125 à les retour Ah! Là, tu ouais. fais go, on achète. Ou, genre, en Italie, au mois de mai, tout à 545. Fait que là, tu y vas. Tu crées ah, tes affaires. Il y a des ah. gens qui sont de bonne foi. Tu sais, c'est fou, là. Ouais, genre, c est c est bon fait, il y a des gens bien intentionnés. Tu, ben, là, oui. tu, tu peux le payer par mois aussi. Puis là, tu as, ah. as accès à des meilleurs deals. Tu vois C'est comme, mettons, 30$ par mois. Puis lui, il te sort son gros stock de recherche. Okay. Ah. Ça, c'est les vols d'Alexis. Ouais, les vols d'Alexis. Je vais regarder ça à fond. Euh, Alexis, juste pour la promo, ça serait 200. Peut-être <laughs> 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 Ben, il pourrait te trouver un autre deal. Ouais, fais-moi un deal c'est ces billets, mais euh, avec Chris, si je voyageais, je capoterais là-dessus. Tu t'as peur? Tu Ça fait un pas? an que je suis sur le dossier de faire mon passeport. Ah! Oh. pris photo, j'ai les papiers. Ouais, mais là, c'est plus engorgé, fait que tu pourrais ouais, vraiment. Ah, que... c'est oh, vraiment. Mo moi, j'ai passé. l'année... Quand <laughs> je suis allée en Floride avec les fives, là, un an et demi, euh, c'était direct dans, dans le jus, puis j'ai attendu mon ouais, trésor. C'est que j'ai pas de voyage prévu, puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais je vais l'avoir parce que Sphinx-Maurice, on part plus coup de tête. Là. Ah, la fin du mois, on pourrait aller là. Mm -hmm. Puis à chaque fois, je suis comme, ben non, jamais finalement, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire on va à Caillot-Coco dans deux semaines. Tu penses vraiment plus comme ça? je le ferai quand j'en aurais besoin. Et comme nous, les humoristes, on est là, on s'appelle. Anne-Elisabeth Bossé, elle me dit jamais on va à New York en fin de semaine. On part. Moi pis Stéphane Rousseau, Caillot-Coco. Jamais. jamais. même, fin de semaine. Je vois stories du Monde puis je me dis, ben Chris, une maman, je vais être dans la gang. Quelqu'un qui va m'appeler. <laughs> euh, le premier thème une présentation de Tommy and Friends au Mtelus. Euh, c'est un show d'humour avec des invités que je fais au Mtelus. puis j'auto-promote mon enfance mon podcast mais tu fais bien ouais c'était malade l'année passée on a eu 4 lavages, Phil Roy Mathieu Pepper Megan Brouillard toute ta gang ça tout, toutes mes amis. Ton proches. monde à qui tu t'en vas dans <rire> la message <laughs> <chose> impromptu. <laughs> pour ceux qui s'inquiètent, le friends, il y a des bons gamers. <laughs> c'est du monde qui <laughs> que j'appelle pas pour déménager. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est un show avec des invités. Euh, c'est quand là, cette année? Le 10 février. Fait que ça, c'est l'idéal. Tu donnes ça maintenant à ta blonde pour Noël. C'est un esti cheap. Puis c'est le 10 février, fait que tu te dis que c'est la sortie de Saint-Valentin. Ouais, Saint-Valentin, je trouve. Un bon souper, un show d'humour. Mm -hmm. Vraiment le fun. Puis comme c'est des invités puis tout, genre. Euh, tu sais, c'est le fun d'avoir un show solo, mais des invités, il y a vraiment de quoi de la fun de découvrir plein de monde d'un ah ouais. coup, puis tout ça, puis c'est dynamique parce que tout le monde fait un peu moins long, puis tout. Ça aurait été le fun l'année passée, c'était autre. T'as-tu doré Simon cette année? J'ai pas Doris Simon, c'est que des invités surprises, mais euh, je peux dire d'autres invités que j'ai pas. Euh, j'ai pas Francis <laughs> Cabrel. Ah, Francis ah, Cabrel ah, sera pas là parce que c'est des humoristes. tas dit jean marc Corbeil? jean marc Corbeil sera pas là. Maranda sera pas là. Chris, tu craches à la grosse bombe? <rire> <rire> non, mais ça se peut qu'on écoute Papa être un lutin dans le milieu du show. C'est ça, j'ai Tout ce que vous avez dit, j'ai rien compris. C'est vrai? T'as le jeu. J'ai aucune idée. Mais là, Jean-Marc Jean Corbeil il est en solo. Il non, mais il fait. C'est quoi, un... un magicien? Un chanteur? c'est un humoriste avec des dents. Ouf. Mais genre, il t'avait fait un, <laughs> un <petit rire> esti numéro. Il ben, ben, a vraiment quand même des dents, là. C'est un peu sa force, genre. <laughs> c'est ça! C'est un humoriste avec des dents. <laughs> On en a toutes. Pour les pour l'audio, ça peut. Je comprends. Être, je comprends. Euh... Mais tu Vincent, c'est un humoriste. Léonore, il y a des dents. J'avoue. Il avait fait un numéro euh, il en parachute, il faisait comme s'il tombait en parachute. Mm. Puis il était full expressif. C'était juste pour rire dans les <rire> années où est-ce que quand tu faisais un numéro, tu pouvais te partir une carrière. Là. Oui. Jean-Marie Corbet? Oui, Jean-Marie. OK. J'ai. Euh, ça, lui. Oui. C'est en tout cas. Le... Fait qu'il n'y a pas Corbet, il n'y a pas Maranda, pas Doris Simone. Doris Simon, ça c aussi, c'est une mémoriste? Une J'ai aucune carliste. Ah, OK. Ah, voilà, ouais, ben, okay. Oui, ben oui, elle était GF, comique okay. comme un singe. Je ne sais pas pourquoi Doris Simon n'est plus dans le métier, mais Chris qui était comique. Ah, OK. C'est du lac, ça. cest vrai? Tout toute frisée. Il y a, que... ouais, frisée, elle était Il y a beaucoup de monde disparu. là. Des... Du, du gros... lac? Non, mais de la l'ancienne génération <laughs> d'humour. Ouais. Il y en a une couple qui n'ont pas fait la transition post-pandémie. <laughs> Claudine. Merci, ah ouais. Claudine, merci. merci, je la connais pas. Est-ce que je donnerais pour lui donner un petit bureau d'études? Il n'y a pas des rumeurs que Claudine Mercier va être Hein? Il n'y a pas des joueurs que Claudine Mercier va être à... je pense pas là moi, si moi, elle t'a vu dans ta valise ça va être non. ça va ah. être sorti anyway. moi j'ai mais moi j'ai entendu j'ai <laughs> entendu hey, ça, ça va être sorte... sorti Oui, anyway, c'est pas moi que t'as vu dans ta valise <rire> <rire> moi je sais tous. ceux qui <laughs> sont je, là je ouais. le sais toutes, mais c'est parce qu'elle a ouvert sa valise avec Bro c'est sûr là c'est sûr qu'ils ont mis un indice qui qui brûle un peu c'est qui mais dans les indices ça pourrait être moi ou une autre personne puis là ils ont trop donné d'indices fait que sur le site de nouveau il y a un article de euh, dans valise de Liane, on pense que c'est Tommy Néron là. Mais non. Oui, Estis, nouveau et moi, ça dit ça, mais les Hosties, je voulais y aller, puis ils n'ont pas voulu de moi arrêter de m'utiliser pour faire des écrans de fumée. Ben je voulais y aller. Moi, ai pas. aller. De... J'ai. V'là deux semaines, j'étais comme je serais gain. Puis v'là deux semaines, casting t'es fait pas mal. Là. Mais bah, moi, ouais. tu... Non, non, mais pas v'là deux semaines, j'exagère, mais mettons v'là deux mois, là. Mais moi, c'est parce que tu me disais en juillet, tu veux-tu partir euh, trois mois, dans six mois, c'est trop compliqué. Ah non c'est ça. je la date Comme 3. toi et tes t'es du Maurice. Donc, ouais. ce moment-là. si Je un coup de tête. Quête, <laughs> oui mon gars. Deux semaines avant remplacement. Non mais c'est qui me dit que ça le bonjour va non, pas m'appeler là. Non mais tu pourrais moi, ouais, c'est <laughs> ça qui c'est que hey, Chris hey, boy, je vais je vais <laughs> manquer ben trop de salut bonjour, je vais. Hey, <laughs> Marie va s'ennuyer là, qu'est-ce que je pense? Dans ta valise c'était quoi C'est la, 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 la lettre du prénom. Non, c'était l'image de la personne. C'était l'image. Non mais Néo est pour nous là parce que je veux savoir c'est qui que tu avais dans ta valise. C'est dans, deux, dans est deux. deux semaines, le monde rentre avec Big Bro, puis on le sait, on 15, est huit épisodes d'avance. Littéralement, ah, vrai, ça, le monde le savent. Probablement qu'il est déjà éliminé de Danick Martineau. Ouais, c'est ça, c'est Danick. J'en viens pas, j'ai intimidé Babem moi, tout le long. Ah, c'est pas lui, ah, Danique, ça. Ça. Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben, mais en tout cas, mais le P, <laughs> je veux peut-être... Euh... Je peux pas confirmer rien. Non, t'as rien confirmé. <laughs> mais je vais peut-être essayer de pogner Darnick avant qu'il rentre pour faire un épisode de Sujet avec toi. Imagine, on lui fait faire ses takes de ce qui va se passer. avant. Ah, il va être mieux ben, nous bouquer en parce que c'est le, le temps le des fêtes là. Même... pour nous oh Chris Tommy. La. C'est le temps des fêtes. Ou vierge. un panel juste musulman, si tu veux. On est tous disponibles. Je veux pas que Liliane soit <laughs> là. Finalement, elle a une de d'attitude de mort. Oh, <laughs> venant de toi, mange Fais un sujet. le tiens... thème. C'est quoi ta meilleure collation de soir? Bon, je commence. Vous allez mailler. <laughs> Vous allez mailler. Vas-y. Yo, un melon d'eau fucking crisp. Là, des... Ça, c'est de soir. Moi, oh, ouais. ouais, le soir, c'est la pénombre, c'est là où les snacks euh, ouais, pas santé sortent. Non, sorte, là. Un ah, melon d'eau fucking... parfait d'été. Ça, puis comme. Pas celui qui un... goûte l'oignon, là. Non, pas ouais, farineux, genre. ouais il mais... y en a qui goûtent comme plus l'oignon. Moi, je vais vous le dire, là, ce que vous venez de décrire des melons d'eau, lui qui goûte l'oignon, qui est pas prêt, qui est farineux. Ça me fait rire tous les melons d'eau. Non, non, il y en a des délicieux. Non, mais un melon d'eau. Un cantalou. Miam. Tu sais, comme. Moi, j'aime ah, beaucoup les fruits. Oui, mais. Puis là... Souvent, quand j'écoute. En fait, quand j'écoute des films, quoi? à chaque fois que j'écoute des films. Excusez, c'est boring, là, ce que je dis, là. Non, à là. chaque fois que j'écoute des films, tu il faut que j'aille des petits fruits. il faut J'aime tellement ça croquer dans un fruit juteux, <laughs> puis froid, puis comme sucré. Genre, je suis allée au cinéma, je me suis acheté des petites mangues coupées. Puis genre, je mangeais ça. C'est super, ça. Mais, c'est super. OK, euh, là, ça, ça là, Les fruits, j'embarque, là. Banane, poire, Pas banane pendant un film. Pas banane. Un froid. Non. Une clémentine. Une clémentine. Vous êtes, vous êtes euh, dans une pomme-grenade. Je mange des pommes-grenades le... comme ça. Je mange frères. régulièrement. Je mange. T'as pas peur Deux de Deux pommes-grenades de de par semaine. Hein? hein? Ouais. Hey, ça, ça, on savait pas ça de, de Liliane pareil. Hein. Ouais. C'est une femme qui consomme beaucoup de pommes-grenades. Ouais. Beaucoup. Mais... Moi, la dernière fois que j'en ai mangé une, je pense que j'avais 22 ans. Je pense que j'ai ah. jamais mis ça dans ma bouche. Moi, je pense que j'ai mangé en jus. C'est mon fruit préféré. Fruit pas frais? C'est genre, tu l'ouvres, tu l'as ouais, Je, pas pas, de ouais, articulation. je, me, je me mets un petit napron pour pas, parce que des fois, je personne oui. pas attendre, ça m'envole sur mon chandail. Mais tu peux pas euh, croquer le petit noyau. Oh oui, elle le peux, fait pareil. Quand j'étais jeune, je le faisais pas. Je faisais juste tout effoiré. Puis après, j'avalais le jus, puis là, je crachais une motte comme un peu un vomit de chat de noyau. Ouais. Genre. Mais maintenant, j'avale le noyau, c'est correct. Je sais même pas comment acheter une pomme grenade, genre. Non, Je sais même pas comment le dire, en fait. T'as pas remarqué. <laughs> pomme grenade. Pomme grenade. C'est comme rouge, puis... Aye, oui, mais comment délicieux. tu sais que c'est bon, c'est genre t'achètes, ben, à un, un moment donné, tu le feel ». Quand ils sont fucking secs, t'es comme non, là ça okay. marchera pas. Des fois, t'es achètes trop rondes puis t'es comme elle pas, elle pas assez mûres C'est comme là, je dois dire que science, je suis rendue là. une experte. Là, je, oui, là, c est c est je sais quels qui sont bons. Mais... Ça mais, quand ouais. t'arrives à l'épicerie puis qu'il il a juste pas de fruits frais. Tu vous comprenez que, tu là, tu me décris comment ouais. acheter, mais des fois t'arrives mettons et toutes les bananes sont vertes t'as ouais. pas l'option d'acheter ah ouais. une banane puis t'es comme ok fait que au si, si tu veux faire un bon banane ça se peut pas ouais. hein c'est un petit investissement oui. banane moi j'ai acheté deux kiwis avant hier puis j'étais comme oh shit t'es qui, man oh, ouais. ah ouais juste passé... tu prenais pas de la main. Ouais, non, non. c'est ça je me reconnaissais fait, pas j'aime les kiwis ouais puis je sais pas encore mangé là tu sais manette tu vas faire ah, c'en sont même plus bon ouais, c'est des, des kiwis, des verts ou des kiwis jaunes non, Je sais pas, comment je veux savoir Ben ça va être écrit dessus. Euh, ben, ah. Ben le, va le kiwi classique, c'est le kiwi Je ne pas manger Attends que ça soit comme mou puis sucré. Mmh, que ça va tellement être bon. Mais là, je, je voulais revenir sur quelque chose. Melon d'eau, melon miel, cantalou, tu me niaques. Non, bon. melon miel cantalou, c'est non. Mais melon d'eau, j'adore. T'aimes pas mieux des fraises? Ah, si, il si, y a des vraiment fraises. Je pensais bonnes que t'allais juste dire si, si. <laughs> si, 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 si j'adore les <laughs> fraises. Si, euh, oui, ben récemment, il y, y a des nouvelles <laughs> fraises. Là. Ils coûtent fucking cher, par exemple, mais c'est des fraises de sav, euh, Savoura. Euh, sa, quelque chose. Ça là, non, c'est. Euh... Voyons, Chris. <laughs> savoura, c'est les tomates que les oui, deux sont morts. Mais eux? Ouais. Ils font des fraises, euh, euh, grandies en, en serre, là, vous êtes crampés. Mais ils sont décédés. C'est pas tout, c'est juste, ouais, essayez <laughs> de t'aider à faire ça, ça a pas marché, <laughs> puis je l'ai vu faire. <laughs> non! Genre... Non! Ah, ça y est! En fait, Juste dit, oui, ça donnait yes, un. J'ai essayé. Oh, l'océanito! L'océanito! C'est un autre problème. J'ai regardé la vue que j'allais spotter spoté, ça le tué. Ça m'a tué. Mais je... ils ont fait. Ils... Ils ont mais vraiment... Savoura a été racheté parce que le, le... le monsieur Savoura a eu un accident d'hélicoptère avec son fils. On Comment tu sais ce c'est? c'est fou. Ben oui, mais tu te rappelles ça? C'est genre, il y a genre quatre. C'est ça, pour vrai, là. Ben là, mais je veux dire, je lis la presse. C'est le joueur ça, de Si basket. vous n'êtes pas connecté avec les médias... j'ai je... pas demandé que tu tombes dans les rapports. Je ma... si tu savais ça pour vrai. Mais tu sais beaucoup d'affaires, ça veut dire. Ben le... J'adore. C'est un accident d'avion? Okay. Ben, hélicoptère, je pense. Ah, Savoura. Puis là, peut-être qu'ils la... ont été rachetés par... C'est sûr que j'ai du aussi. <laughs> ils ont peut-être été rachetés... Ben, bref, ils, ont, ils font des fraises maintenant faites en serre. Ça coûte fucking cher, mais c'est les meilleures fraises que j'ai mangées de ma vie, pour vrai. C'est délicieux. Fait que quand j'ai un, un, une petite boîte, c'est des petites boîtes en carton de fraises, euh, ça, c'est grandiose. qui sont bonnes. OK, okay. c'est ça. Écrasement d'hélicoptère. Le fils du Maîtresse. PDG de Savoura s'est battu pour survivre. Le père est, est, est mort <laughs> sur le coup, puis le fils... C'est comme. Il oui. Ils l'ont trouvé plus loin, là. Il était, il était tout pété du corps. D'après moi, il a ouais. souffert pas mal. Je me rappelle de cette histoire-là. C'est juste que je ne savais pas c'était quoi Savoura. Fait qu'à que ça m'a Mais c'est ben vrai, tabarnak. Ça veut ouais. dire que probablement que Savoura a été vendue, ou Puis que là, ils ont, ils ont décidé de faire. Oh. Hey, a un, oh mon dieu, c'est tellement dangereux on, on des hélicoptères. Ah oui. L'enfer, je l'ai fait deux fois dans ma vie puis je, depuis ce temps-là, je tu sais pas comme... si tu retourneras. Non, ben, parce mean. que c'est avant que euh, Kobe Bryant meure. Mais il oh. y en ouais. a il plus plus d'accidents d'hélicoptères qu'avant sûrement Mais oui. oui au pourcentage. Hein. Il y a moins d'hélicoptères que a d'avions. Hein. Vraiment, au ra le ratio. Là. Moi, le je peux racion, pas croire quoi, que c'était ouais, un prix vu. que tu pouvais gagner à la ronde. Là, quand tu allais jouer au Nintendo, c'était le premier prix, si tu arrivais premier, premier un tournée d'hélicoptère. Ben oui, c'était un signe fly. là, là mais c'est fucking dangereux aussi. Le frère de Rémi-Pierre Paquin a un hélicoptère sur son terrain. Ça, ah. <laughs> pour lui, son il fait hélicoptère. quoi dans doit être très riche, là, j'imagine. Ouais. Ben, le frère de Rémi Pierre Paquin, ça t'ouvre des portes dans la vie. Parce que ça. Ben non, non, mais je je suis le frère, le frère Abidou. Attends, non, je, pense que le... Non, je pense que le frère T'sais... Abidou est plus hot que Rémi lui-même. Je pense qu'il est plus vieux, premièrement. Ouais, mais, pas... mais... On est au Québec, Tommy, mais... là. Euh, C'était une petite blague. Là, <laughs> je m'en doutais que le frère de Rémi Pierre Paquin payait pas ses billes en étant le frère de Rémi Pierre Paquin. Mais ça a l'air qu'un permis d'hélicoptère, c'est hors de prix. C'est toi? Mais genre, je vais dire 80 000. What? Oh, par année d'aller chercher. Moi le, <laughs> moi le, soir je ne mange pas, je mange la nuit. Ok. Ah, des on, en en hein. même temps, c'est ça. Moi je mange la nuit. Ah, ça c'est du métier par exemple. Souvent des amandes. Mm. Mm. Des amandes la nuit. La nuit, comme comme ce Quel genre faire. sucré? Euh, Salé, amarié. Euh, Chocolat. Euh, roast and salt. Okay. Ma mère fait des amandes. C'est extraordinaire. Ma mère est artisane. Elle fait, fait des, amandes. des amandes? tu veux, je t'en donnerai. J'aimerais tellement ça que, hein? tu en... que toute ta vie, t'en aille dans tes poches au cas où on se croise. <laughs> oui, oui. <rire> non, mais attends, ta, ta mère a fait des amandes? Ma mère est artisane et elle fait des amandes. C'est ça son mais... métier, point. C'est quoi, de quoi faire des amandes? Amandes de Maribel. Ah, ouais, ça s'achète tout. Sa mère? Euh, bien, là, ma mère est en Outaouais, fait qu'elle fait des marchés agroalimentaires, mais ça l'a paru dans une revue de Ricardo. Ta mère a fait. fait sa, sa, sa business, elle a fait des amandes. Oui, elle a fait des amandes. A fait-tu des, des amandes des de cannes, ah, bon, des et des cachous? comme fait des amandes. Les amandes de Mirabelle. Bon, Et c'est tout. Maribelle Blanco. Maribelle Blanco. Un ostinon nom même, ça se mm -hmm. peut pas. C'est tellement beau, mère Ça se peut-tu être autant la Toscane que ça? Je ne pense pas. Moi, pour mon snack. Moi, je suis plutôt euh, brownie. Tu sais, comme des dessins. Ouais. Mais des dessins genre brownie que t'as fait ou brownie euh, dans une boîte que ça. Ah, j'adore les brownies. Tu sais, là, les pieces de brownie, Two bite? Oui. Ouais, ouais. ouais. to... hey, ah! 78 000 ah! 78 000 le fait, le fait pour... que tu te trompes pas, de putain, ouais. aussi, c'est quand même assez impressionnant. Hein. puis, imagine-tu, c'est comme à cher t'as tu n'as pas d'hélicoptère? encore. Ah, c'est juste... Est, le est, check donc le prix hélicoptère. Sur Facebook Market. J'aime ça qu'on t'invite. on va aller voir Facebook Market <laughs> s'il <laughs> y a quelqu'un <laughs> qui veut une édition Marketplace Fais pas le sou, par exemple, tout le temps de même, là, nos invités deviennent nos recherchistes. <laughs> on la Moi, pointe du ça. doigt. Moi, hey, euh, tes nouvelles, toi, et <laughs> ici, tu vas me faire un café. <laughs> mais je suis vraiment une grande fan. Euh, de... Brownie's ouais. Too Bite. Ah, c'est. Si Two Bite, vous êtes à l'écoute, euh, sponsor me. I je I vais sûrement mourir dans l'année ouvrable, mais ça va être une belle dernière année. Mais oui. C'est excellent. Les grosses boîtes du Costco Two Bites, là, mon père, il achetait Vous ça. Puis pourrais... Ah oui. C'est juste le regard de ma famille qui m'arrêtait d'en manger. Ah, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Le qu fait que si cette boîte. Tu avais honte parce que tu en aurais mangé 16 de plus. Exactement. Si cette boîte-là, tout le monde était seul dans la même pièce, euh, je la traversais puis ça devenait de la récupération. Mais là, il y avait comme ma famille, mon père sait qui a acheté des Two Bites dans le jour où Faut t'en laisser. <laughs> C'est ça. Ouais. Mais pour vrai, j'aurais. « Ah, c'est que c'est bon. Ouais, » Moi, ça, ah, c'est comme ça, un... Bon. Si, J'évite d'en acheter, là. Mais moi, je suis très sucrée comme collation, tu sais. Mm -hmm. Mais j'en achète souvent, puis je suis comme mm « -mm, That's gonna be it. »« That's ah, it. Moi, gonna, gonna, gonna be rien. the end of me. <laughs> » Moi, je fais toujours mon épicerie après avoir mangé, et après m'être entraînée et avoir mangé. Fait que là, je suis en mode, genre, j'ai bien vrai, mangé, je suis ouais. saine. Ouais. Fait mm -hmm. que j'achète absolument rien qui est mauvais pour la santé. Puis là, le soir, je suis comme... Bon. Je vais me faire des edamame. Ouais, ça. mais en même temps, ça rentre au poste en crise, des edamame. Man, Man sel, poivre, huile, lime. J'en ai mangé une fois, puis à ce que l'autre personne me dit, il était dégueulasse. Okay. Mais là, je pense que ça m'a créé un trigger. C'est tellement t'sais, bon. Tu sais, quand tu essaies de quoi, puis la fois que tu l'essaies, l'autre personne est comme, « Moi, ils sont dégueulasses. Mm -hmm. » C'est comme, « Moi, moi c'est le goût que j'ai associé à ça. » Non, c'est vraiment très bon. ça ou des... Euh... Des, des choux de Bruxelles que tu coupes en petits, 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 oh, petits, non, petits, huile, sel, puis tu le mets dans le mmh. four ou au air fryer, ça fait des chips de choux de Bruxelles. Ah. Ben, regarde, Pour le désolé. plaisir? Non, 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 non excuse-toi ouais. pas, ça va être délicieux. Ah, un... un... ben oui, ben, il se mais c'est rien. Non, c'est rien. Dans ma tête, il y a eu le thinking ting de cette question-là n'est pas brûlée. On l'offre avec un autre invité. <rire> <rire> hey, je lui demande le meilleur snack du soir. Exactement. La pendule où on peut faire ce qu'on veut. Moi, là. Du sel, du poivre, des chiboutis. <laughs> non, mais c'est bon, hein? Ben oui, c'est quoi, ça toi, toi ton, 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 ton petit snack de soir? Ben là, je vais de le dire en votre présence. <laughs> euh, <laughs> non, mais tu sais, un classique indémodable de soir, une bonne petite toast, ah. que tu graisses à la seconde qu'elle sort du toaster, là, que c'est... Au beurre? Beurre, de peanut, n'importe quoi. Pour vrai, il faut que tu la graisses quand tu es chaude, 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 ben oui, parce ouais, que là, évidemment. ça fond. Ça, c'est bien le fun. Um, Hey, veux-tu veux te veux quelque chose à, entre tes deux toasts? » Moi, ça fait dix ans que j'ai pas acheté de pain. Hein? Dix ans? Parce que tu n'en consommes pas? C'est fou faites -même. même, des fois, je te parle. pas le pain. Ah! Même je pas, vas pas première première moisson, à genre? Une bonne toast première moisson. j'ai n'ai pas ça chez moi. Je vais aller, mettons, euh, au restaurant, euh, à déjeuner, je vais me mettre un peu d'œuf sur mon pain. Mais genre, chez moi, avoir du pain, puis faire... Hey. Me faire une toast. mais es tu oh, Parc! C'est bien trop gros, bien trop de pain. Moi, je suis pita. Oh. Baguette? Ah, c'est ce que j'ai te tu dire. Tu veux dire pita ou oui, thon, oui. pita oh, Il ouais. faut pas qu'il y ait beaucoup de pain. Quand je mange un hamburger, je mange la moitié du hamburger, j'enlève le pain, je mange la boulette, la salade, la tomate. Mais moi, euh, mm. les toasts ouais. sont revenus dans ma vie parce que j'essaie de moins commander de bouffe, puis j'ai réalisé que... Une toast, but... ça t'enlève ton cœur, <laughs> Non, mais c'est que... Il y a un bout de j'essaie moins commander puis plus cuisiner. Puis ça, c'était trop de charge en même temps. Ah oui. Parce que là, il faut non seulement que je commande pas, mais qu'en plus, je me fasse de quoi. Fait que là, mon premier défi, c'est de moins commander. Fait que des fois, justement... Euh... Un bon souper au toast, tu sais, ça... Ah. Non, mais tu du pain, bien. ça dépend. Le dîner, plus. Je <laughs> comprends. Des affaires d'emmène. Tu sais, avant un show, deux toasts, au lieu de se faire livrer du poulet rouge, tu sais. Non, si mais, tu sais, Tommy, t'es pas loin, d'avoir du petit jambon puis de te faire des petits sandwichs. tu sais. Mais bon, c'est le fun, sandwich. des toasts. Moi, ouais, ouais, je sandwich. Là? Mais ben, le midi oui. t'as pas le goût comme d'une bonne poitrine ah, de poulet pas... une salade ouais. oui mais c'est le, le bout de l'affaire là et hey, j'aime assez ça cuisiner t'aimes pas cuisiner je pense qu'une des nouvelles affaires que je réalise c'est qu'on est trois colocs fait que là il y a beaucoup la dynamique de ça c'est déjà sale tout Ouf. ça whatever <laughs> pis tout pis c'est quand même propre chez nous mais là tu finis moi si je finis souvent là Félix s'obstinerait dans le dernier mois ça a pas été le cas mais souvent je vais je va laver euh, genre le chaudron après pis tout mais là des fois c'est pas lavé tu... en tout cas je trouve que c'est compliqué. T'as la, la flemme de nettoyer assez. la vaisselle pour commencer à faire ta cuisine. Ouais, c'est ou... tough hein, quand t'es en appart avec deux. J'ai déjà été en appart à trois aussi. Puis tu peux cuisiner et décider affaire. que tu te laisses traîner, mettons, une journée. Tu sais que t'en as pas besoin de cette affaire-là. Mm, ouais. Quand t'as des colocs qu'il y a tout le jeu de, de nettoyer. Temps, donc. Hum. Je trouve que quand tu le rentres dans ta routine, ça, ça Ah, se je fait. le rentre quand même, mais poulet salade, mettons. Moi, là, je fais des. Oui, mais c'est meilleur pour la santé, vous voulez. Hey, je vais dire de quoi là. Greta serait pas contente. Des fois, je vois même napkin au lieu d'assiette. Ah ouais, draite tu le comptoir, droite dans la bonsoir, Entre 1 et 5 millions d'hélicoptères. Ça va. C'est moins cher qu'on. Ça va. Hey non, mais j'aime pas le gap entre 1 et 5, je veux lui de 5. Non, mais le 5, c'est quoi? Ouvert avec siège en cuir. Ben on sait pas, ne sait si pas Le bois de à l'intérieur, il est fait de quoi? Il, Ou il, ne s'écrase comme... pas au domaine? À 1 million, d'après moi, le gars, il est, comme, il est un peu rouillé, mais il est encore bon. Ouais. <laughs> c'est ça, c'est le Colibri euh, EC120, il va être à peu Colibri. près un million, mais le AS350 écureuil, ouais. on est à 500 millions. <laughs> Quel est l'hélicoptère le moins cher? Le Robinson R22, qui est 500 000 euros à l'état neuf euros euro, là mmh. on est ça c'est facile on est, euh... 750 000 là. voilà c'est fou quand même, même c'est une... quand même cher quand tu fais ouais moi j'ai envie d'avoir un hélicoptère fait, ok fait que le frère il Rime bien. – vous, vous savez marre. que ben oui il est entier je... tabac il est en tabac, ben oui, ouais. Est ouais. Nanti en tabac. moi je le savais et ah, puis ça c'est de l'entretien aussi là puis comment tu, comment tu remplis ça d'essence ben quel alors, genre d'essence c'est comme 400 piast seulement non, mais l'essence, comme un peu, c'est ferme. Tu as une tank chez vous ou ton hélicoptère. Eh oui, est... mais là, il y a quelqu'un qui vient remplir la tank. Tu sais, tu un, un camion-citerne qui vient te fouler la tank à ouais. la semaine. Ouais. Donc... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait de l'hélicoptère à Charlevoix. C'était comme wow. 400$ pour une heure. Ah ouais, c'est super cher. Euh, Carrie Price, en parlant d'hélicoptère, il, il vivait, tu sais, euh, il vivait comme à une heure d'où il jouait au hockey. Puis il allait en hélicoptère pas mal sûr que j'ai déjà vu ça. Son père allait le porter en hélicoptère et tout ça. Fait que ça me fait rire des fois. Ah ouais <laughs> un lift. Quand... Et... Il, il venait d'une bonne place quand même. Son père le liftant en hélicoptère. Moi, je ne veux acéptature. pas partir d'une place en hélicoptère. c'est pas parce qu'on vient de vanquer, voler une banque. Là. Genre, ouais, non, sinon, mais tu sais, on, on, comme... on va amener ça. qui risque de mourir. Oui, oui. Parce qu'à Carey Price, il y a l'aspect... Tu sais, il vient d'un... De, 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 voyons... Euh, tu vas ne... Je réserve. Ah, ben, goût. Je pense pas que c'est réserve. Je pense que c'est juste genre euh, une, communauté. Ouais, une communauté. Quartier, ah. une communauté. C'est le mot communauté. Je cherche chercher. la même star C'est là. j'ai le mot autochtone, je suis comme, c'est quoi qu'on met devant? <laughs> Une gang. Une gang. <laughs> puis euh, il vient d'une communauté autochtone, toute, puis l'histoire a souvent été sortie. Mais là, sachant le prix d'un hélicoptère. C'est un hélicoptère. Dansermain euh, est, juste, il... ouais, ben, est puis dans gros, main, aisé, puis chiffre l'histoire, mettons, il ne fait pas la ligne nationale, puis tout. C'est juste un gosse de riche qui sont pas. Ah non, mais attends, attends, c'est peut-être lui qui a payé et acheté un hélicoptère, payé le permis puis acheté un hélicoptère à son père. il qu'on en connaisse plus sur jeune. la location d'hélicoptères. Ouais, Est-ce hey, est, est que c'est fondé cette rumeur Est-ce qu'on le sait comme pour ça? ou c'est Pas, pas mal sûr que c'est. J'ai j'ai souvenir qu'il habitait loin d'où il pratiquait et qu'il y avait un hélicoptère impliqué. Ouais. Bon. Puis hey vous me traitez quoi cette info là aurait popé dans ma tête. Moi je ne checke pas mes sources. Ça, c'est valide. <laughs> non, Carrie... mais c'est une info qui date de Vlog 4 ans quand il n'y avait pas plein de fausses affaires sur TikTok aussi. Moi, je. je... Que Carrie faisait du. J'avais euh, vu ça à RDS. Hein. Faites ta recherche, Lille. Carrie Price, Helicopter Practice. Helicopter. 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 <laughs> euh, mais ouais, sinon, les snacks de soir, c'est une bonne toast, c'est le fun, petit popcorn. Popcorn, moi, je suis à côté popcorn euh, ah. en jouant J'ai plus de chips chez nous. Moi, le popcorn, c'est ma nouvelle révélation. Ben non, mais mmh. c'est parce que des chips, t'ouvres le sac, puis euh, c'est plus si... gras. Je sais pas, c'est qui qui avait dit ça dans un podcast, ça m'a mourir de rire. C'est Mélanie Couture qui avait dit Moi, si j'ouvre un sac, c'est peut-être pas Mel, mais je pense que oui. Ou Mel Ganimé, qui avait dit Moi, si j'ouvre un sac de chips, oh. genre, si je veux arrêter de le manger, il faut que je mette de l'eau dedans. <laughs> c'est bon. Sinon, elle passe au travers. Oh, ouais. Moi, c'est ça avec une bouteille de vin. c'est genre, je peux pas m'acheter une bouteille de vin, puis la reprendre un verre. Oh, c'est ouais. impossible. Fait que soit je bois pas, ou soit je prends une bouteille <laughs> ah ouais mais moi c'est rare je bois un verre j'ai bien de la misère avec ça on prend un petit verre là non. on boit pour se tuer j'oublie mon nom ou je reste agent <laughs> je suis en 36 <laughs> j'essaie de travailler ça là de, justement là de descendre le coude un peu là. mais, mais c'est rare ça, ça que tue. je me torde, justement mais c'est que Tu sais, là j'ai rebu un peu là par terre des fêtes puis tout mais là, deux semaines de je suis comme Hey, ça fait sept semaines que j'ai pas bu Hein? Ah? « bon et hey, puis pas en mode je okay. fais un défi sans alcool, juste. Ben j'ai pas l'occasion. Si je vais à un show, je vais pas prendre mes consommations pour justement boire une bière, faire mon show puis repartir. Et anyway, oui, je bois pas avant le show parce mm -hmm. que j'articule pas assez bien. Ouais. Pis, mais c'est vrai. Sinon, je m'en fâche <laughs> dans mes mots. Quand Genre je bois, quoi? je ne mange pas mou, je trouve ça. Oh, ouais. J'ai l'information. Is that true? L'article s'appelle Carrie Price takes long road to glory". Ça dit. Que c'est pas un hélicoptère, mais un tout petit avion. Wow. On dit un petit avion. Oh! Un petit avion. Et ça disait, ça dit At 13 000 de four seat piper Cherokee wasn't fancy. 13 000$ un avion? Ouais. C'est « wasn't fancy, so <laughs> juste, ça. C'est juste un peu. Ok, mais la, la gaz! <laughs> Ouais, ben, ça va. Mais à l'époque, manu... le gaz, il était quoi? Ben non, mais et 25, correct, non? Là, je... non, mais c'est correct, là. C'est pas mais... grave de venir d'une famille <laughs> qui avait de l'argent. C'est rien que quand tu remets ça en perspective. C'est que... 13 000, c'est moins cher qu'une micro. Ben non, disait mais j'étais que... juste... He and his father, Jerry, drove de 640 kilomètres round-trip three times a week pour les practices and games, mais until Jerry decided to put his pilot license to use. Il dit, éventuellement, eventually, I got to be a lot of hours in the car, so he just... Bought an airplane so he could fly it, ah, and it was amazing. <laughs> <laughs> it was amazing. <laughs> and, it, it, <laughs> it was amazing. amazing. <laughs> <laughs> c'est sûr <inaudible> que non. Ça, je te jure, cet avion-là, t'es pas 13 000 Ben là, ça dit ça. Ben là, 9, regarde, Tommy First, là, c'est pas un hélicoptère, c'est un avion. D'entrée, j'étais quand même pas loin. Pourrait que ça soit moins cher qu'on pense. Ouais, mais 13 000, moi, j'embarquerais pas dans un avion à 13 000. Il l'a fait. Hélicoptère, ça, ça se stationne bien, par exemple. Ah oui, sur le toit de la gare, Un petit débarque. Je suis allée voir Pink à Miami euh, comme un mois. Ah, en Puis, hein, euh, ben oui, moi, je rêvais de voir Pink. Puis ma chum, pas aller à Montréal, puis qu'on a fait, on va ça à Miami. Ça oh. va être cool. En plus, on, on va chiller. Mm -hmm. Puis après, on est allé au Bahamas, parce que c'était comme à ouais. 100$ le billet, genre. En bateau, Alexis. Tu tu on a Ah, bien un un million, 100 bien. Euh, oh, parce que ça, c'était avec les vols d'Alexis. Non. Non, c'est vraiment miami Miami-Nassau, c'est genre 45 minutes de Miami, ouais, ouais. Fait que, j'ai fait comme, David Beckham, il habite ici genre, il a depuis que le CF euh, Miami. Mmh ouais. C'est ça CF Miami? Ouais. Inter Miami. Inter Miami. C'est CF Montréal. Exact. Ouais. <laughs> T'es fort. Hey, oh, mais ouais, t'avais Beckham, c'est correct. puis j'ai je dis habite ici, que là j'ai cherché son adresse. Il y a un méga mansion au 62e étage d'une espèce d'immense bâtisse. T'as un gratte-ciel qui sur le toit, il y a une place pour atterrir un hélicoptère. Puis lui, c'est le dernier étage au-dessus. Puis avant le show, on était dans Bayside. Fait qu'on est allé souper sur le bord de l'eau, puis on avait la vue sur cet édifice. Les lumières étaient ouvertes, man. Vous l'avez vu? T'as vu, son... vu son ombre, genre? T'as vu sa silhouette? Oui, ben non. Hey, c'est des... les, quatre... les quatre surfaces, les quatre murs, c'est des, c des vitres. Ça n'a pas rapport. Genre, ces deux étages, ça, ça doit être. Ils doivent être de la même dans la maison toute la journée. Ça n'a pas de bon sens. Non, non, ils ne sont pas de même. Ils, fermés, puis dans, ils ont les yeux fermés et ils dansent. Ah oui, c'était bon ce documentaire-là. J'étais comme David Beckham, était à 200 mètres de moi. Ben, c'était peut-être pas David, c'était peut-être Vic. Vic. Oh my God. Imagine que tu les aurais vu genre, faire l'amour comme dans les films, comme Contre la fenêtre. Oh, je pense plus que ça se passe eux autres là. Lille, tu penses donnes... plutôt je euh, vais dire moi, je de pense quoi que mais comme Ah non, elle a mis une photo cette semaine de lui qui était comme un technicien en -dessous de, 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 ouais. de qui est en train de réparer je sais pas trop quoi puis il est genre en, en boxeur blanc un peu moitié nu par terre et comme oh nice technician genre. Je pense que ouais. ça ouais. n'est jamais ouais. lovey vie quand c'est avec David Beckham. Non, mais moi j'ai vraiment l'impression Moi de deuxième que... base avec moi c'est lovey vie <laughs> <laughs> David Beckham, je pense que juste quand tu mort <rire> <rire> il a à à commencé il fait faire du filler là. Tu as remarqué Oui. À David Beckham. Ouais, ah, ça oui. m'a comme un peu déçu. Je trouve tellement qu'il y a Mais l'homme déjà, il vient, oui. Ouais. Il y a comme un, comme un peu des. Il faut lèvres. pas euh, C'est. Les hommes ont le, le beau rôle dans le vieillissement. Il y a un double standard, mais, euh, ben non, mais, mais en le le beau style et tout. Les rides, c'est. Non, mais en même temps, si c'est si, si, les hommes qui avaient commencé à faire ça, je veux dire, ça reste que ça nous appartient de, que les femmes ont commencé ah, à oui, faire ça et qui, qui avaient un, un désir de. Pas ça, là, y a la société. Le time y a la out, part, out, là, time out, je n'étais pas en train de dire les filles, il faut que vous fassiez du botox. Nous, les gars, on n'a pas besoin. Ah, là, non, mais c'est une affaire ouais. de société. Les femmes, on ne doit pas vieillir. Genre. Si Marie-Soleil qui disait dans un podcast, genre, euh, ça m'a f... dit, tu sais, dans les séries québécoises, pense-y, un homme de 60 ans va être en couple avec une femme de 40, genre. Oh ouais, hum. c'est vrai. C'est tout en ça, Ouais, mais l'inverse, c'est pas probable. Ça ben se non. jamais. C'est mmh. mmh. comme un homme de 60. Même, jean Claude Legault, il va être, il va sortir, mettons, euh, dans une série avec, euh, genre, Catherine de Ouais, tout le monde est comme « Oui ». Ben oui, absolument. Ah, ouais, c'est vrai. Hein. Es tu es quand même super jeune, euh, puis ça va être ça. ça a... non, on est tellement habitués à... l'a une fois, à... puis avec non, chouchou. Mais, as... <laughs> non, mais as-tu vu Larry, la série Larry? Non. C'est euh, Benoît Gouin qui joue. Voyez-vous, c'est qui Benoît Gouin? Oui. oui. Full bel homme. Puis sa femme, c'est Monique Spadiani, dans, euh, dans cette série-là, qui a son âge. Puis c'est drôle parce que, quand j'ai écouté le premier épisode, j'ai fait « ça doit être sa sœur ». J'ai pas pensé que ma année, serait... tu te rends compte un... que ah, ben non, c'est un couple qui s'embrasse. C'est genre, oh, un... ça m'a surpris. Parce que c'est un couple normal. Parce que c'est des gens normale. qui se sont rencontrés à 30 ans ouais, puis qui sont encore ensemble. J'ai vu récemment Qu que c'était ça aussi. La série Time sur Crave. Non. British. Bon? Je... Yo, c'est fucking bon, first. Là, bon. Je pourrais pas vous nommer les acteurs qui sont dedans, mais c'est tous des acteurs que vous connaissez. C'est juste, moi, je... manque de culture, je connais pas leur nom. Puis c'était aussi un couple d'âge normal. Puis je me souviens que ça m'a frappé Ouais. Alors que c'est complètement normal. C'est complètement normal, mais ça m'avait mmh. frappé Nos parents sont ensemble, nous, mmh. on voit, on en voit quotidiennement. Dans c'est tout le temps, ils hein, se sont rencontrés au travail, c'était à la compagnie du gars, la fille, c'était C'est le médecin, c'est la, la jeune fille. Ouais, ouais, c'est le détective, elle, c'est la, c'est la, whatever, tu sais, des affaires de détective mmh. qui sortent avec, genre, comme dans la Casa des Papels. Genre, je, oh, re, je réécoute la Casa mais des Papels. La, hein. la Casa des c'est comme ça yeah. que j'apprends mon espagnol. Ah, that's it. Mais je dis, j'ai appris mon espagnol, il est très faible mon espagnol. Mais je suis capable de dire Tokyo. Tokyo. Nairobi, en tout cas. Mais non, excellent, excellent. Blanco, Via Non, je pense que ça va être un autre thème, mais c'est le thème adapté dans ma vie. Attendez qu'on soit toutes des gros pères, me se fait parler de chic Bruxelles puis de melon Miel. Non, mais, les mais moi, j'étais là. Je elle vous Mais ben oui. non. Oui, oui. Voyons. Je parle aux deux autres d'où Je vous aime, les filles. Vous m'avez déçue. Bon. <laughs> mais j'aime pas ça, j'aime ça. Comme... Je me sens. Je déteste. Je veux mais pas que tu par changes contre, pour attends, moi. Attends, attends. L'affaire que, mettons, je me permets une fois de temps en temps à millefeuille du saint hubert Ah, oh, oh, mais oui. oui. Est-ce que tu l'aimes? Oui, est-ce que tu l'aimes? Oui. qui est bon, barnac. Je l'aime. TP man. Température pièce. Ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais tu ouais, serais ouais. prête à dire que tu l'aimes tiède! <rire> <rire> hey, ah je, mais je sais ouais, pas ouais, si je... tu fais ça aussi, mais parce que, tu sais, quand il est température... Moi aussi, je le mange température pièce. Quand il tu le manges, face, tu le hein. sors. Fait que ouais. moi, je le, je le croque un petit peu sur le côté pour comme... Ah oh non, que ça coule moi dessus, là. Ouais. <laughs> Ça, ah, mais la tarte, au sucre, la tarte au sucre. le ah ouais. Quand elle ton... qu est molle, puis que le sucre sort un peu, déjà, ah. chaud. Exactement. Ah ouais. Mais top c'était toi pour mm. desserts-là un peu glacés, température pièce. Mm. Faut pas que tu sois sorti du congélo, puis tu te le mets dans la gueule. Faut. Mm. tarte au bleuet. Oui, oh, que ça soit mou. Mm. Mm. J'ai goût de faire des tarteaux au bleuet. Je m'en vais mm. là quand mm. Pff, Je m'en vais Ouh. faire des tartes. C'est réglé. Je vais me coller une tente. Ah ouais. Fais-moi des c'est Tu viens de Robert Val, toi, c'est ça? Robert Val, l'Ac Saint-Jean ma Famille vient de la bouchette, moi. Moi, je suis de Saint-Bruno, mais au lac de tout. Est-ce que tu faisais du ski? Fuck off. Saint-Bruno. Il a regardé le mont lac saint Oui, mais il a pas un lac Non, ça, c'était à héberville le mont lac vert n'est pas loin de Saint-Bruno, non? Oui, mais je pas là-dedans. Je dans rien qu'au-dessus chez nous. Le prochain thème, une présentation de Eros. Ce n'est pas une question sexuelle, mais tu sais, il faut bien que. Si tu veux être un podcast, il faut qu'Eros commandite, hein? Ok, puis, reste, on ok. Il parle mais de tarte! Il donne-tu des sous, Eros? I'm, I'm alright, bitch! Do you like cream donne... pie? <laughs> le bout où les deux, attardés dans le coin, parlent depuis une demi-heure. On parlait pas. <laughs> mais je vous ne parlez que pas, la... vous criez dans vos micros. Hey, hey, je... Mais je trouve que la montage euh, fait ça un peu. Ouais, ouais ben, non, mais non, mais c'est parce les... que ça fait... Depuis qu'on a le nouveau setup avec les bancs... Mais pourquoi vous avez fait ça de même? parce que c'était plus confond, mais là à tout bout de champ faut que je rappelle au monde que des fois le monde font on parlera pas fort on va chotter à côté mais c'est en même avec le micro la bande s'en elle elle comprend pas ce que pas compris c'est qu'il y avait un fil un fil conducteur non non je vous chicanne je ne l'accepterais pas mais moi j'aimais la table j'aime ça mais j'aimais la table moi je sais pas je pense que je préfère ça ici moi je je moi ça ma première fois là fait que j'adore ça je suis confortable c'est pour les extraits parce que... C'est compliqué à expliquer, mais il y a trois cames puis la cam de côté, à quatre, elle ne sert à rien, sinon. Mm -hmm. C'est ça qu'on s'est comme ouvert vers les caméras. Sinon, il y a une cam, c'est juste nous de même de côté. Salut, salut. Je comprends. C'est pour ça. La et, Ro, est et compagnie, que je viens ouais. ici, je me trouve dégueulasse quand je regarde les podcasts. Tu trouves? C'est la lumière? Oui, ouais, je ne sais pas pourquoi. Euh... La lumière? Je trouve ou... que c'est comme une lumière de plafond, fait que faut oui, comme, contre ça, le, comme, plomb, ça, comme ça. Oui, ah, contre plongée, comme ça. On devrait un peu poser, peut-être, pendant le prochain sujet. <laughs> Le commanditeur, c'est Ross et compagnie. Sujet chaud pour avoir 15% de rabais sur vos jouets, vos gels, toutes les affaires. Il tellement d'affaires Ross chez nous. C'est ah, Ben Moi, euh, une année j'ai dit ils m'ont envoyé une boîte de jouets. Puis moi, je pensais que c'était pour donner aux collaborateurs. Puis tout, puis là, ils voulaient que je donne ça. Puis tout, là, je fais là, donner un bot de plug à quelqu'un que je rencontre pour la première fois. Moi, ça me gêne. Il n'y a pas de tabou, ces jouets sexuels. Mais dans une première discussion, dire à quelqu'un, qu'un me suis dit que tu allais aimer ça, un bot de plug à oui, toi mais tu l'as choisir dans la boîte, hein? après le podcast. Mais non, parce que t'as pas genre infini de jouets, là. La boîte à tu t'as quasiment plus de jouets pis. Oui, tu t'assumes. Puis la boîte, tu te l'amènes ici, tu peux pas la laisser ici, en tout cas. Mais on va se le dire qu'Héros domine l'objet sexuel au Québec grâce à ses intégrations dans les podcasts? Ah oui, vous devriez jamais arrêter de me commander mes hosties. Non mais, non, mais moi, avant même avant même qu'on que, qu en entende ouais. parler d'un podcast, moi, j'étais très Eros. Plus, je trouve ça cool parce que tu commandes sur Internet, ça arrive, c'est une boîte, c'est un, flou, tu sais pas, c'est ouais. c'est pas comme Eros, tu ouais, dans le gars, blanc. vous pouvez vous signer. C'est mon nom. Discret, bon service. Ouais, les jouets pas trop chers. Les jouets pas trop chers. Puis, ils ont pogné à bonne affaire. Ben, les compagnies, ils devraient catcher que euh, de la publicité, c'est déductible d'impôts. Ça fait parler de toi, les podcasts et compagnie. Puis eux autres, qui ont compris. C'est rendu. Tout le monde sait qu'Aros, c'est un sex shop. Puis ils se sont bien positionnés. Puis ils font bien le job. Mais oui. Ah, si euh... J'aimerais ça acheter à platte à Hélène Boudreau, moi. Hein? Quoi? Ah, imagine si tu nommais bien son nom. Hélène Boudreau. <laughs> elle, elle, elle a fait quoi? faire sa vulve ouais. avec Aros. Il y a trois porn euh, cool. Star qui ont fait faire le vulve. Il y a elle. Il y a euh, Pomponette, je sais pas quoi. Puis quelqu'un. Mais la <rire> fille <rire> qui moi. est sur TikTok <laughs> avec sa mère, là en tout cas peu importe puis euh, ça serait un moule de leur je dis ça serait parce que moi ces affaires là je suis comme je peux pas aller vérifier ben c'est si d'après moi oui ouais ah, d'après moi oui là, tu brandes pas sans même pour ça mais il y a ce côté là fait que ça serait la reproduction de le euh, vulve that's it si ça vous intéresse eros et compagnie c'est euh, incroyable show. Moi, ça, coup, je, suis, euh, je suis surpris de ces choses-là. Il y avait le festival jadis, je ne sais pas si vous vous rappelez du festival, mais il y a eu trois éditions. C'était vraiment une, euh, très engagée, une femme très engagée qui finalement est tombée complètement conspi pendant ah. la pandémie. fait que Je pense que ça l'a un peu euh, nuit, mais en, en même temps, tant mieux te et, euh, je, je elle, Dans le festival, tu pouvais aller, c'était comme trois jours à Montréal, et puis tu pouvais aller faire mouler ta vue. C'est tellement de questions. Tu sais, je me dis, je comprends pour mouler quelque chose d'externe, mais là ils doivent mettre une sorte de sac pour ensuite le mettre dedans, puis là faire rentrer la mousse. Non, dedans. en fait, c'est vers l'extérieur. Non, mais je pense que, euh, que c'est, mettons, c'est comme un, un produit qui met en dedans. Le produit solidifie, ça sort super facilement. Oui, ben je me demande c'est quoi le, le. Mais il faisait pas, il, il, il fait, il moulait ta vulve, pas ton vagin. Ah, je pensais euh, que vous comme, vagin, non, il faisait non. comme, c'était genre un genre de était ta plot. mais il y a un documentaire sur Télé Québec là de, de, de ça qui montre exactement le processus mais la fille elle le fait mais on voit pas mais elle le fait pendant que elle Je ne me rappelle plus c'est quoi l'émission mais tu le trouverais C'est cool ouais ouais euh, que... mais cool, ouais. ben, c'est un art comme un autre hein, genre de cadeau drôle à donner à ton chum à Noël devant la famille devant <laughs> la famille tout le monde a un peu qui regarde ailleurs mm -hmm. juste, <laughs> juste des, des que... souverains un peu genre de comme ah des souverains <laughs> juste pour mettre des chandelles genre tu fous ton chandelle c'est bon il trouve ça hilarant ah. Une chandelle fait ou du ador. moule de la queue de ton chum. Tout, tu ça ça à doit Noël exister. Es comme... sure. Ben oui, tu peux ben oui. mouler le, le, le... En chandelle? Ben oui, ben oui c'est sûr que c'est peux Non, mais tu peux vrai. faire mouler euh, ton pénis ben oui. en jouet. Ben oui, ben oui. Ouais. On... Oui, ben oui, oui. Moi, une manette, j'ai checké, on dit fichier trop petit. deuxième Deuxième sujet, grâce à Airbus, Merci, Quand quelque chose te gosse, est-ce que tu gardes ça en dedans ou... Tu t'exprimes. Moi, ça va dépendre ça de dépend. l'amitié que j'ai avec la personne Des fois, ou si c'est un cadre incroyable. amical ou professionnel. Si c'est professionnel, je vais dire, hey, « Ah, ça, j'ai pas apprécié ça. Je pense que ça devrait être différent. Non, non, non. Si c'est amical puis que, que cette personne-là est vraiment mon amie, là, vraiment, puis que je, je sens pas que ça peut fragiliser quoi que ce soit d'aborder une certaine situation, je vais le faire. Si on est amis, mais que je juge que ça vaut pas la peine que je dise, hey, « Ah, pour vrai, ça gosse quand », je le fais pas. Ça va, je pense que pour moi là, ça dépend de plein d'affaires mais côté professionnel oui parce qu'il faut qu'on apprenne à le faire pour vrai c'est mm -hmm. comme c'est jamais le fun d'adresser une, une situation euh, déplaisante mm -hmm. mais quand c'est professionnel j'essaie vraiment 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 de le faire puis quand c'est amical faut vraiment que ça soit un bon chum pour le faire un, 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 ça un, dépend un du un niveau chum. aussi de la patente. ben c'est ça là. ben c'est ça mais ouais. même si c'est bénin euh, puis ça me sais, t'es si je te niaise si là-dessus comme... mais je pense c'est très euh, ricane. Mm -hmm. ça me fait un peu rire, mais c'est sûr que c'est du menottartage. comme oui, ouais, mais là, attends, il y a une différence là, avec... Tu euh, euh, roaster un peu puis adresser quelque ça. chose qui nous gosse. Oui. C'est super délicat, mais c'est comme ultra important en couple, surtout. C'est mm -hmm. genre l'affaire de... Tu sais, à quel point, moi, j'ai perdu des relations parce que l'autre personne accumulait. Mm -hmm. Puis là, tu fais... En ce moment, là, tu me regardes puis je dois vraiment t'énerver avec tous les nœuds que t'as fait sur cette corde qui est notre relation. Comme là faudrait tous les défaire un par un. Je dois tellement te taper ses nerfs parce que t'as. Tu sais, c'est comme. faux Ça, c'est la base. Moi, je pense que la relation, c'est comme c'est super difficile, mais un petit vendredi vidange. Ouais. On se prend une bouteille de rouge, on jase, puis hop, pop là, Tu sais... Il y a, a des, des choses... A ça des va des dans le chip. et ouais, le ouais, samedi, De tu De le demander. Il y a tu des choses ouais. qui, te, qui, qui te rendent inconfortable. Est-ce que tu es bien dans ta relation en ce moment? Même en amitié, je pense que c'est important. Mm. Ben oui. Moi, je suis, capable, ouais. je suis capable de le faire, mais euh, tu sais, c'est comme... Je trouve que c'est ultra demandant. Ouais. Ouais. Moi, les gens me nomment. Je, je reçois mieux à heure Les affaires que je fais mal. Avant, je pense... J'étais comme, non, mais tu sais, comme tu n'as pas voulu oui. te faire peine à quelqu'un, attends, je fais de quoi qui qu te gosse? J'ai pas voulu te faire de peine. comme, non, mais. Tu n'as pas voulu peine? Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Là, je prends des fois, tu sais, ça peut être une joke que tu as faite, qui est vraiment juste une joke, mais que l'autre personne elle, comme, on dirait que tu sous-entends ça, quand tu dis ça, whatever, puis tu fais, ah, c'est pas ça que je sous-entendais, mais je comprends que c'est ce genre de joke-là, ça te gosse. Je vais en faire attention, Il Pis... y en a qui sont super pas réceptifs à, aux commentaires. Ouais, ça moi, mes la amis, peine, hein. mes amis vous diraient toutes, genre Marilyn, on peut absolument tout lui adresser. Moi, je suis genre. Quand tu me le dis pas dans un coin en me criant dessus euh, chaud, ouais. mais que tu fais comme je peux tu te parler? Moi, je deviens là une douce, douce, lavette. Douce, ouais, ouais. Genre Qu'est-ce que je peux faire? Je fais je comprends. Comment je peux la prochaine fois? Hein? Je veux qu'on. Tu comme, tu mm -hmm. peux tout me ouais. dire, moi, je vais accepter. Je trouve ça difficile, quand même, de mentionner parce que des fois. Mais en même temps, les bons amis, ils le prennent habituellement. Là, ben oui, oui, euh, t'as pas construit aussi... une relation pour qu'après ça, ils soient choqués ouais. de comment tu vas réagir, il ouais, y a un moment donné aussi, par exemple, comme, tu sais, si tu te mets en mode lavette un peu, qu'on va dire que tu prends, puis c'est pas lavette. Ça écoute... fait full mal. T'as le goût de, de faire, genre. T'as le goût de vomir. T'sais t'sais, t'sais, merde, de quoi ouais, tu ouais, parles? Mais tu fais comme, je vais le prendre au complet, je vais l'avaler, je vais le digérer, puis comme, si -hmm. je suis encore d'accord, puis que tout ouais j'ai bien fait de l'écouter au lieu de confronter, tu sais. Moi, Parce des que... fois, c'est bon de me donner une journée. Oui. Dans le oui. même, là, je sais que des fois, quand j'ai le goût de, de japper en retour un peu, puis tout ça, je suis comme... On peut être méchant vite. Ça tes tu arrivé ouais, souvent ouais. que quelqu'un doit t'interpeller doit pour te dire, « Hey, uh, by the way, j'ai pas aimé ça », ou... Pas nécessairement souvent. Je pense un peu comme tout le monde. Tu sais, mettons, dans des Parce... relations, des fréquentations, ouais. des fois, au final, les deux avaient pas... Euh... Tort ou raison, c'est ouais. juste quelque chose qui connecte pas. T'sais, des fois, la discussion, c'est Hey, moi, j'ai besoin de tout ça, t'es-tu capable de donner ça? Non. C'est un peu ça. Mais euh, c'est que souvent, je tombais plus vite dans le qui, qui a tort, qui, qui a raison. Ah, ça, c'est non, ça. Mm -hmm. Mais ça, ça c'était euh, quand c tu non, sors d'une ça... relation toxique. Ben, mm -hmm. comme ça a tu fait comprends ça. Que, Il mais... que y a deux vérités qui existent en même temps. Exact. Hey, je me sens comme ça. Tu peux ouais. pas ne pas respecter comment que la ouais. personne se sent. Et puis toi, tu te sens comme ça. Puis moi, j'ai une logique de, de, de vécu qui m'a apporté à penser ça de la situation. Puis toi, mm -hmm. tu as la même affaire. Puis est Où est-ce qu'on se rejoint dans le milieu? Mais moi, ça, en fait, ça n'a jamais... Ça, je pense, que je suis fière de ça. Là. Ça n'a jamais été ça chez moi. Dans mes chicanes, comme qui qui a raison puis qui qui a tort. Je ne vais, vais jamais vouloir que quelqu'un me dise T'as raison. OK, c'est ça, que tu veux, as T'as raison. Jamais, 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 jamais. Et tu sais-tu, moi, avant, pourquoi je t'aimais Puis c'est quelque chose que ça fait peut-être 6-7 mois que je m'affirme. Hey Mais je... t'es un bébé naissant. Mais que je m'affirme dans les relations. Parce qu'au travail, je m'affirmais, puis tout, mais dans les relations. peut-être qu'avant, je m'affirmais, relation de marbre mm -hmm. que, qui m'a un peu brisé la confiance, puis tout. Puis je réalise qu'avant, je ne m'affirmais tellement pas que je tombais vite dans qui a raison, qui a tort. Ça va vraiment sonner deep down, là, mais dans ma tête, si on avait un argumentaire, une chicane, c'était quasiment « Ok, mais mettons qu'on compte ça à nos amis. » Qui qui a raison? Qui qui va, qui ouais. qui qui va dire? Oui, oui, ouais, ouais, mais de qui toute, qui toute manière, de toute qui manière est super pas simple. Ce ça. que tu comptes à ton ami, ça va toujours être à ton avantage. Eh oui, eh oui dire, exact. Tasse une virgule, enlève un point, puis skip une phrase, puis c'est moi qui a gagné. Pis moi, ouais, ouais. Donné, ai gagné. Puis moi, une j'ai réalisé dans le travail de ça, consulter, aller consulter, ça fait du bien. Ah. Mais euh, que, depuis que je mets l'orgueil de côté, puis que j'en nomme mes besoins sans attaquer, tu sais, que je ne veux pas attaquer, je suis juste, ben ça, j'ai besoin de tout ça, si ça marche pas, puis tout ça, c'est correct, part way, whatever, ben là, je, je m'assume plus, fait que je prends plus quand les autres s'assument, puis je suis plus dans le « Hey, je suis vraiment désolé, parce que je sais que l'autre me dit pas ça pour me faire de la peine, ouais. ou l'autre me fait pas ça pour faire comme « Qu'est-ce t'avais fait ça? » Tu sais, c'est pas... Euh... Oui, puis je veux dire, c'est tellement pas évident de dire ce qu'on pense, mm -hmm. ou, ou, ou d'amener un sujet ouais. qui est comme, tu délicat. Je veux dire, tu peux pas en plus faire si tu fais quoi, tu fais ça pour me fâcher, tu fais. Hey man, moi là, moi j'ai mis mes gants blancs, je suis arrivée avec toute ma vulnérabilité pour te dire comment mm -hmm. je me sens. Tu sais, je veux dire, tu peux pas réagir fortement, mm -hmm. mais tu sais, c'est ça aussi. C'est tellement c'est complexe les cerveaux, les, ouais. les matchs de personnes. Il y a, il y a des oui, gens avec qui c'est d'une facilité. Il y a des gens avec qui c'est dans la confrontation. Mm -hmm. Il y a des gens avec qui en deux secondes ça va fucking fort vite. Là, tu fais pourquoi qu'on est là? C'est euh, ça. Les relations sont complexes. Hein. Mm -hmm. Les relations sont complexes. Puis des fois là, faut là, la plus belle affaire qu'on qu peut faire des fois c'est de dire hey, cette relation là est finie. Puis c'est pas Bye. que l'autre personne est pas bonne. C'est pas que l'autre personne mérite pas ça. C'est que là, time lapse tout ça, ça ça a pas fonctionné. C'est bien correct. Mm -hmm. Ah ouais puis. Ou juste prendre une belle grande distance, laisser retomber la poussière, avancer. Avant te recroiser mm -hmm. ouais peut-être dans deux ans tu vas recroiser l'autre puis que ça va être simple vous allez peut-être devenir amis vous allez peut-être vous revoir refréquenter whatever mais des fois là t'es comme hey ça là cette dynamique là c'est plus que un break de trois semaines mm -hmm. tu oh, vas ouais. la régler tu sais moi moi c'est plutôt au niveau professionnel que j'ai jamais vraiment eu à le faire avant tu sais de, de devoir m'affirmer si hein? Travaille tu travailles à l'école travailles à l'école tu fais tes shit puis c'est fini mais par contre, c'est un domaine où que si tu ne dis pas ce que tu veux, si tu ne dis pas comment tu le veux, ben mmh. c'est ou soit ça ne te servira pas, ou soit il va y avoir des malentendus plus on rapidement. Aussi. Absolument. Mmh. Tout le monde essaie un peu de marcher ouais. pour monter. Ouais. Ouais. C'est comme c'est une ascension. Mmh. Puis des fois tu marches sous des têtes. Là. Puis tu fais comme Oh, là. mais quand, quand c'est ta tête à toi, tu fais euh, Excuse-moi, faudrait que je le mentionne C'est ça. Je ne suis mmh. pas confortable nécessairement. c'est parfait. Parce mmh. qu'on le fait, on se le fait faire. Fait qu'il faut le dire, tu parce que si tu le dis pas, euh... ouais, puis tu il y a aussi la peur de, tu sais, comme, t'es comme, ah, mais si je le dis, peut-être qu'ils vont mal comprendre, puis ils vont penser je veux pas ce projet-là ou whatever. Mais il faut passer par dessus ça. Puis moi, tu mm -hmm. ça va, je commence, ça fait un an. À peu près que je commence à vraiment dire comme ce que je veux, puis que c'est clair, net et précis, puis je m'en fous de ce que tu penses. Mais tu sais, ça prend fucking de guts d'arriver ouais. genre dans un milieu où est-ce que tout le monde sait ce qu'ils font. Ouais. Puis toi, t'es comme ouais, mais non, ça serait pas ça pour moi. Mm -hmm. là, hey, moi, j'ai réalisé une affaire là, pis ça me fait capoter. Les hommes qui s'affirment qui disent ce qu'ils veulent on fait Man, power man. Dit, une oui. fille qui s'affirme qui sait ce qu'il veut, c'est genre... une crise de folle. Mm -hmm. ouais. Je ouais. pense que mm -hmm. t'as un peu moins ça, mais je suis d'accord. Oh. Oui. mais ah, non, genre, c est c est surtout, surtout, ouais, surtout au placé okay, euh, ouais. dans le sens de mettons, t es sur un projet, t'es es, es, es comme important dans, dans le projet, t'as donné ton opinion tout ça. L'homme, il va parler comme il veut. Là. Mm -hmm. Tout le monde fait comme. C'est sûr, ben, il, est, il est rigide. Mais, oui, ça, je suis d'accord. Les la émotions. Fée, la fille, ouais. a fait genre, moi, je veux pas ça, puis j'accepte pas ça. Chris de folle. Mm -hmm. OK, oui, là-dessus, je suis d'accord. On dirait que dans ma tête, j'avais plus. Elle euh, veut tout contrôler. Dans un podcast, euh... tu dis quoi Je lis les commentaires, puis généralement, je pense qu'il y a un girl power qui est quand même présent, mais oui. Mm -hmm. Je suis d'accord que dans forme une forme d un enfant... C'est un de oh, contrôle, ouais. de. Ouais. De, 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 t es -t es -t un homme peut être bête toute la semaine, tu sais, être pas du un peu gueuler après tout le monde. Oui, non, mais, fait, fait... mais les projets viennent à terme avec, ouais. puis toute la journée qu'une fille gueule, puis est comme, ok, là, ça fait plus, tout le monde est comme. Eh, Chris ouais, de quoi ouais. Mais, ouais, mais le gars, il est bête, ouais, mais il y en a gros ses épaules, tu sais la fille elle, il y a quand même encore <laughs> des crampes une... menstruelles présentement puis, euh... Il y a comme encore vraiment une grosse différence, c arrivé, Moi, à... ça me choque. Ça. Ouais, je... c'est drôle, Catherine Heigl, vous savez c'est qui là, l'actrice la, Ah oh, merde, j'ai oublié. Ben c'est une très grande actrice là, euh, américaine, non? Catherine Heigl. C'est sûr, vous savez c'est qui. Puis euh, elle, a, elle a eu des, des gens qui ont parlé, qui ont dit c'est une crise de folle sur les plateaux, tout ça, là là. Puis elle est arrivée exactement là sur le plateau de puis elle a dit c'est juste que je sais ce que je veux. Puis quand je le demande, ben le monde sont comme she's bossy, she's a bitch, she's this. Puis elle est comme non, c'est juste que sont pas habitués de se faire yeah. demander. Ouais. Euh, non, Heigl. H E I G L. Oh, ouais. Mais le plus tôt tu t'affirmes. C'est vraiment ça l'image qu'on a. Le mieux, tu sais. c'est. Ah, ça est un, ouais. Le pire, c'est que. C'est un angle que. Oui. C'est Grey's Anatomy, euh... ouais. C'est un an que je vais peut-être travailler sur scène parce qu'à force de consulter, pis tout, tu je suis dans l'affirmation, puis tout ça. Puis le problème, c'est qu'il y a deux types de personnes qui s'affirment fucking dans la vie les gens vraiment sains avec eux-mêmes qui se sont ouais. trouvés, qui sont équilibrés, ou les crises de fou. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oh, oh. Tu sais, les, deux deux, les deux là. types de personnes qui s'affirment vraiment, c'est le monde vraiment sain mmh. ou le monde qui sont comme Moi tabarnak, j'ai pas peur de mes opinions. pour on a tellement peur d'avoir l'air de la crise de folle que c'est long dur, avant de s'affirmer. Ouais. Fucking oui. raison. Moi, quand je demandais des affaires, puis j'étais tout le temps en train de m'excuser de faire genre, Hey, pour vrai, ah, je ouais. m'excuse. On dirait, je pète une coche, mais je veux juste que ce soit clair pour telle affaire. Puis non, non, c'est bon. Tout le temps en train de m'excuser pour pas avoir l'air de la crise de folle de genre. Ah oui, on et oui, ça, que en fait, c'est super dangereux parce que pour nous, là, dans notre cerveau puis dans notre chimie, là, à force de le faire, on, on crée, en fait, juste une, constate, une constante invalidation mm -hmm. de nous-mêmes. Ça, ça, honnêtement, ça, c'est la pire affaire. Ouais. Mm -hmm. On fait juste se tirer dans le pied. C'est puis... insuffisant, tout ouais. ça, comme intense. La... c'est juste un gros service. La première année du euh... Fabuleux Printemps, j ai, j ai, t'sais, 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 mon nom il est dedans, Fabuleux Printemps de Marilyn. Première année, j'étais genre... T'imagines-tu, c'est un os de flop? T'sais. Mm -hmm. Fait que là, t'es scénar. Mm -hmm. Moi, t'avais une pression terrible sur les épaules. Mm -hmm. Je voulais tout voir. Je voulais le Je veux voir les montages, je veux voir les capsules, je veux voir qu'est-ce que t'as écrit. Veux, parfait, moi je vais repasser par-dessus. que là, j'avais le, le nez dans tout. J'étais comme l'affiche, ça va être quoi? Qu'est-ce que je vais mettre comme linge? Ça, puis là, c'était genre Calme-toi. Puis j'étais comme Non, ça sera pas de même si c'est ça. T'sais, Il y a fallu que j'aie des conversations avec des oui. gens faisant, mm -hmm. ouais. genre, que, en faisant Je suis désolée. Genre, c'est sûr qu'en ce moment. C'est une ouais. terrible pression que j'ai, donc ouais, ça ne ouais. vous paniqué. appartient pas et je suis euh, euh, mm -hmm. euh, désolée, mais tu sais, je peux mais pas... Mais c'est parce que personne n'est tombé non plus dans des affaires de même. Dans ben, sens, en fait, il y a des fois, C'est ton confiance. nom en jeu. Des fois, tu es comme, ouais non, fa... on ne peut pas dire, au pire, ça ne marche pas. Tu sais, des fois, tu vois hum. qu'il y a du monde qui ont se délivré là un peu. Ce qui est normal, si tu n'es pas tant impliqué sur le projet, tu es là pour... Je sais pas, t'as un réalisateur qui vient faire trois épisodes parce que l'autre est malade ou whatever. Ça se peut que lui soit pas autant impliqué, mais il y a un côté que t'es comme, ouais, mais là, ça, c'est un projet que. Ah non, c'est ben oui, c'est normal. Ben, tu c'est comme la série en ce moment. On est en train d'écrire la série qu'on mm -hmm. va tourner. Tu les crus, c'est notre nom. Je comprends que je suis pas productrice. <laughs> mais comme. C'est nos vies, genre, ouais, qu'on wow. s'en va mettre à l'écran. C'est nos émotions, c'est nos traits de personnalité, c'est nos, tu sais, comme. C'est joué aussi. Fait que genre. Ok ça, ok ça, ok ça, genre c'est sûr que ça fait ça fait très contre... C'est niaisant. non mais tu sais c'est niaisant à dire mais souvent le premier rôle Mais ça ça m'appartient là. Tu comprends tu ça j'ai pas besoin de personne dans le sens je pas besoin de me mettre le nez dans mon propre jeu. Non mais mettons le réalisateur, ok c'est bon là puis toi t'es pas vraiment satisfait, t'es genre ah l'offre peut-être. Par contre par contre moi la réalisation, ouais ouais vraiment la réalisation c'est la seule affaire que je fais. C'est ton affaire, mm -hmm. t'sais, comme c'est quoi ton mood board, genre qu'est-ce que tu aimerais faire comme look, tout ça. On peut en jaser, mais une fois sur le plateau, je ne vais pas te dire dirige-moi, oui. j'en ai besoin. Tu es capable de reconnaître là, son travail, comment il est, est ça. Tu mais fais confiance au réel aussi, là, à un moment donné. Quand ouais. il y a vu de quoi, tu es comme il y a vu de quoi, je sais qu'il y a vu de quoi. Faut que que faire, il, y a ouais. assez il y a certains moments où il faut te faire ça, okay, là, je, je, range, je baisse les bras, mais t'sais, tout ce qui est le reste de. C'est comme. Je... Non, non, mais c'est important. C'est tellement élevé, euh, là. C'est éna... tellement d'étapes, de... c'est tellement ouais. de temps, c'est tellement ouais. de. Tu puis je veux dire, chacune des répliques, on doit comme. Il faut que ça nous ressemble. Fait ouais. que là, il y a une V1, là, on repasse une V2, on repasse Antoine, dans... une V3, après ça, as le truc, une V4, après ça, F, peux-tu rajouter des gars? Mm -hmm. Ok, après ça. Euh... Moi, je suis comme, on peut-tu encore voir? On peut-tu encore voir? Je peux-tu encore voir? comme, on va l'envoyer à Belle, comme toi ça Je suis comme, mais on pourrait faire une V40 puis ensuite de ça, l'envoyer à Belle. Ils sont comme, il va y avoir des commentaires après. Je suis comme, t'es-tu sûr? C'est comme, si ben ça, justement... Surtout pour un projet bébé comme ça. Mais il y a ça, puis il y a aussi... Est-ce que c'est ta première expérience en scénarisation aussi? en De ce genre-là, oui. Oui, c'est ça. Je pense qu'on veut tellement bien faire les choses que... Ça peut paraître intense, mais euh, si t'étais si rendu à ton troisième projet, je pense que tu serais plus ah, C'est bon, es, normal. Mais tu sais, pense à Marie-Lou, mettons, qui, qui a ça trois fois par jour. Mm -hmm. Je veux dire, cette femme-là n'a pas le choix de se mettre le pied dans pas mal d'affaires dans tout. De... Oui, ah, mais non, avoir son l'âne, c'est important parce que moi, une maman, pour un pour un projet, j'avais eu de la mauvaise info. J'ai eu la bonne info le soir, puis tout, puis il y a du monde dans l'équipe qui disait Ah, t'aurais pas été obligé de refaire la job, t'aurais pu faire... J'avais pas le... Toutes les indications n'étaient pas bonnes. puis je recommencé de zéro puis je l'ai fait, puis le monde était comme Mais pourquoi t'aurais pu faire ce que t'avais fait? Je suis comme Non parce que le téléspectateur il sait pas que je me suis pas fait donner les bonnes infos. Ouais. C'est moi qui vais avoir l'air d'un esti mm -hmm. d'épais. Tout d'un coup. Euh, je suis à côté de je de la fais plaque. du yo-yo pendant que tout le monde chante. Ouais. Tu, sais, tu comprends là? C'est moi qui ai l'air de l'épée même si c'est pas de ma faute. Je vais le refaire. Parce il fallait que... que tu parles des du, du voisinage. <laughs> euh, beep. Non, non, rien. Non, non, c'était même pas ça. Il y a -il un troisième sujet de tienne. Oui, il y en a un troisième. Présenté par Belle gueule, j'ai l'air d'être de... ce Belle gueule, la bière! La bière! La bière! Te... Te... puis comment, comment eux, ils donnent des sous? Des petits sous pour payer les fauteuils studio et compagnie. C'est fraîche. Parce que. Mais là, les fauteuils, c'est payé après deux épisodes, ça. Un épisode? Non. Deux? Mais non, Combien mais je ne des fauteuils. C'est ça, c'est 300 balles chaque. Oh. Les tables, c'est 200 balles chaque. Quelle est Table Les tables, 200 balles oh, ouais. chaque. Tu, mais ouais. c'est quoi? Maison Corbeil? Ouais, c'est euh, structure. Ouais. T'as l'air surpris que des mobs, des ça coûte de quoi? Hey, non, non, mais tu sais, t'aurais hey, dû après, acheter je ça sur Wayfair, t'aurais payé ça 150 pièces Quelque chose, je suis comme. Non, parce que je, je voulais pas les essayer. On tout ça pour ça. Ouais, je voulais les essayer pour qu'on soit. Parce qu'il y a tellement de banisters qui sont cheap et compagnie. Mettons. Euh... Notre valeureux Charles-Antoine Desgranges, qui est collaborateur, c'est un bon colosse. Puis il me l'avait dit il était comme là, tu vas penser à moi, en achète un banc. Hein? Ouais, ben on de la place, il ouais, ouais, ben y a deux millions bon qui ouais. rentrent Charles-Antoine, je disais qu'on soit assis droit parce qu'il y a bien des bancs qui ont une petite inclinaison de même là que là. Tu on a tous trois hein. mentons. Es que, pis, fait que c'est ça. Puis c'est parce qu'en fait. Euh, fait que Belle Gueule te donne des sous pour payer ses banques. Ouais, ben puis ça rembourse aussi les premiers épisodes qu'on avait juste euh, un commanditaire ou pas de ah, commanditaire. Puis il donne-tu de la bière. Non, ils ne donnent pas de bière, mais probablement qu'ils peuvent y oh, là ça. Si tu veux de quoi, ils vont euh, t'envoyer vont ah, ça. Moi, je ne suis pas une fille de, de bière, de ça bière. donne le flux. OK. J'adore le, le mot de... flux. J'adore le mot flux. Est, ouais, je trouve ça est hilarant, le mot est, flux. C'est trois ouais. petites lettres, flux. C'est euh, quatre. C'est flûte avec un T. Oh. Ça s'écrit flûte avec J'imaginais un... flux. Ah. C'est pas flux? Peut-être. Non, ça, c'est un flux d'informations. Oui. Ben, ça se prouve. C'est la même chose, c'est un flux. Un flux, c'est avec un X. mais non, mais je crois que t'as raison. Moi, je pense flux, c'est le flux. Dis, Siri. Non, non, non. Moi, j'ai Siri homme. J'ai mis Siri homme. Comment on écrit « flux » comme la diarrhée? C'est super, ce là Dans quelle langue dois-je traduire? Oh, attends un instant. C'est avec un l Il y a une rumeur en ce moment qu'il y a une prof d'assis sur le banc et il y a deux personnes qui demandent à Siri. <laughs> ben, flux, c'est écoule écoulement d'un liquide organique. C'est FLU FLUX. X. Puis FLU tout hein? seul, ce serait flou en anglais, mais ce serait quoi en français? Rien. Hein? Peut-être, ouais, ben Mais après, OK, pas Écris la phrase, j'ai ah, okay, le flux. Hein. Oui, c'est X. X. Aïe, belle gueule, on hein. vous remercie, ce bout pour C'est Non, non, mais, 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 mais la belle gueule, c'est une bière qui est très appréciée, en tout cas. Oui, mais en fait, c'est québécois. tu Il sais, y a bien du monde Ay, qui achète des bières de soif. Là. On s'entend, c'est de la bière de soif. Ils seront pas insultés que je te dise ça. C'est de la blonde, de la rousse qui goûte la blonde, de la rousse. Ben oui, de la... Ben ouais, puis mais... encourage donc des produits d'ici tant qu'à acheter américain. C'est pas mal ça le vert. Ouais, puis Ils sont beaucoup aussi dans les restos, genre la bière, comme... Je vais te prendre une. Ils blonde. ont souvent des deals pas possibles. Ouais, belle ça. gueule. Ce... Belle gueule, ils ont souvent le deal que sont comme. On... on a Budweiser, tout ça. Ou la Belle gueule, c'est comme 3 pour le prix d'un jusqu'à 10 heures. Puis es mmh. Comme, mmh. Hein, oui, on il y a une terrasse Belle gueule à côté, hein. Oui, c'est le quartier général. Euh, c'est à côté du Parc Laurier. Ça se pourrait. Dans l'été, il y a des petits spectacles d'humour-surprise, là-bas, mm -hmm. animés par un gars qui a une truc et un chandail des Raiders. On va, ah, ouais. va peut-être checker là, faire de quoi l'été. C'est -ce, on... le, euh, le fun de, des shows un peu euh, impromptus au parc. Euh, les gens passent. Euh, C'est vraiment cool. Ça met de la, de surtout, la vie dans le village. C'est top parce qu'il y a déjà comme un bar de la bière. Euh, C'est structuré. Ouais. Ouais. C'est ouais, ouais. très cool, les shows de parc. Moi, quand, quand je suis allé rencontrer dans leur... Euh, Headline. Quartier Headline. général, parce qu'il y a genre trois bâtisses à ça. J'étais comme, il y a donc de la place, ça. C'est vraiment grand, il y a une grande terrasse. Tout est beau, mais j'avais. C'est oh, où, c ac... c est c est où juste... le parc Laurier? Ouais, ouais. C'est l'autre bord du parc Laurier. Check, okay. Check le, le, le parc Laurier, là où il y a Christophe Colomb qui devient le viaduc. Un le... peu. C'est là? C'est pas sur laurier. Non, 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 non c'est comme Saint-Grégoire, euh, ouais. Saint-Grégoire-Christophe-Colomb. Euh, c'est l'autre bord du parc Laurier, justement. C'est pas du côté de la rue Laurier, c'est de l'autre bord. Oui, bar. ou le parc caché. Exact. Ouais, exact. Il y a un stationnement, il y a tout. C'est fascinant que c'est pas plus connu, cette affaire-là. Tu as vraiment de la place, Mais il y a une regarde, salle de réception. De faire, ben, ils ont payé pour ça, en plus. Ouais, On ouais, vous aime, ouais, belle ouais, gueule. Ouais. À quelle fréquence achètes-tu du linge? Ouf, ouf. Donc, Mr. L. Yes, chaque semaine, très Internet, là. Donc, ah des ouais? magasins ouais, en ligne ouais, pas ouais. mal? Très, 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 très en ligne. Moi aussi. Ouais. Je ne vais jamais dans des magasins, tu peux pas magasins ah, aller. Moi, oui. j'aime ça. Moi, je peux pas. Moi, ils n'ont pas ma taille. Hein? Ben les oui. magasins, ils n'ont pas ma taille. Ouais. Je rentre, ils sont comme tu viens pour des bas. <laughs> que... ben, c'est sûr qu'ils ont ta taille. l'impression oh, job. Déjà... En ligne. Les grandes tailles, c'est souvent en ligne. Ils ont, ils ont des grandes tailles, mais Chris, présente-toi pas au magasin. C'est plus tough. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus tough d'avoir. d'arriver puis qu'il y en ait que. en ligne. Mais là, peut-être je ne sais pas si c'est rendu ça, mais All Navy, y a un bout, il y avait du grande taille mais juste en ligne. Il n'y en avait jamais ouais, en ouais, magasin. Ouais, 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 ouais. ben, c'est comme pour Femme en aussi hein, Tu sais qu'ils ont mmh. plus de choix euh, en ligne qu'en magasin, ouais. mais ils les tiennent. Ben, moi, moi j'aime ça aller sur, euh, dans la vraie vie, comme toucher le matériel. Je comprends. Je, je, même il y a des tailles. maintenant des fois, c'est du 36, des fois, c'est 34. Fait ouais, que je ouais, comme, hey, il ouais. faut que je regarde, tu sais. Non, mais, mais moi, tu, euh... je veux dire, a, sur Internet, il y a un je bon thé à, meure... à mesurer. Je comprends rien. Ça prend un tempo à mesurer? Je comprends rien. C'est tout. C'est la seule pas chose. De... Une fois que tu le fais, là, une fois que tu, que tu casses cette, cette, ce, ce, ce mur de comme, OK, je vais vraiment comme, prendre, prendre mes, mes mensurations, euh, c'est plus facile après. Il faut juste le faire une première fois. Tu prends ouais. toutes tes mensurations complètes, complet, je... ouais. tu les marques sur un papier, puis quand tu t'achètes en ligne, ben, tu fais OK, moi, j'ai, mettons, je sais pas, moi, 34. Bah ben là tu fais qui, okay, pantalon, 34, longueur, parfait. Okay, c'est à peu près ça que j'ai besoin. Mm -hmm. ah ouais. Puis on a dit est... tu te mets à faire confiance à des sites. Moi, il y, y a un. Euh, je magasine en ligne et en vrai, mais quand c'est en ligne, c'est vraiment un magasin que je connais. Tu sais, là, moi, il y a un site que je commande tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi? genre réformation. Connais tu connais-tu? Ah, je suis sûr que tu aimerais ça. Tellement des belles affaires là-dessus. Là. C'est les plus belles robes que j'ai jamais commandées de ma. Comme... été visité C'est un peu... C'est cher, donné, là. Non, ouais, non, non, ouais. c'est cher, mais c'est ouais. les vêtements le tu plus -tu de qualité. Que t euh, oui. Qu'une fois sur deux tu dis que t'es un non au vent pis que. Oui. Mmh. Merci d'avoir la <laughs> Non, mais ben des fois tu dis que c'est rare le... Comment tu dis? La blanche là, tu dis que <laughs> était r quoi? Rolandoun, Rolandoun. Rolandoun, mais ça, tu vraiment ce robe ou finalement, elles, tu le regrettes? Mais non, elle est, es est mais. C'est un linge à vaisselle. En ce c'est tout petit. Ok, moi, je magasine pas euh, sur, euh, sur ce site-là, mais c'est intéressant. Moi, c'est mais... Cider, c'est idéal. Ah, c'est bon, Cider, oui, oui. Genre, oui. Le, 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 le tissu le plus de qualité que j'ai acheté de toute ma vie, je capote. Ouais, ouais, Puis ouais. Comments. Comments? Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais prends le temps de regarder ça. J'achète en friperie en ligne. Ah, friperie en Ouais, friperie en ligne, ça, j'aime bien ça. J'essaie de moins acheter, mais c'est très difficile. Mais ça, je trouve ça dangereux, cette set-là. Pourquoi c'est dangereux de même? C'est des gros shooting photo photos. Le fond est beige. Mais c'est fucking cher. C'est cher, mais hear me out. Si, mettons, il te faut une robe pour une première whatever, je te jure, c'est la robe qui va mieux t'aller dans ta vie. C'est pas genre du Zara que t'es comme, « Ah, elle est belle, mais est-ce que c'est off sur moi? » Ces robes-là vont être comme un charme. Moi, je magasine souvent dans les soldes. C'est comme, ouais. ça revient euh, 150$ une paire de jeans, puis je suis comme, ben oui, j'aurais payé ça. Euh, moi, je, ah, ouais, non, moi, ça, je trouve ça cher. Ça, c'est quand même. Oh ouais, c'est 150$ je je une comprends. paire de jeans. Tu, tu vas-tu chez Jean Jean Jeans? Non. J ai, j ai, tu déjà allé chez Jeans Jeans Jeans? Non. Tu rentres là-bas, la feuille, à ta spot, elle, elle connaît ta grandeur, Merci. elle va dans la cabine, puis elle t'amène des, des pantalons que tu mets sur toi, puis tu fais, j'ai jamais eu un aussi beau pantalon sur mon corps c'est ça mon toi tu vois par contre je trouve que tes jeans t'es une des personnes que je trouve qui porte le mieux ces jeans là Ils sont tellement moi j'ai toujours genre on dirait genre les choses à ouais pilote, là. Là, ouais ça me gosse jeans 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 je vois sûrement est-ce est que est le secret de Liliane c'est les jeans yeah. ou le popotin <laughs> non mais c'est Douah qui me dit mais longtemps, c'était pas un calme oh, 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 oh. <laughs> oui c'est vraiment moi le bout que là, est on est au terminal moi Douah après mon show et comme ah l'ile vraiment un beau cul oui cul mais comme il dit, correct. Oui non, oui, non, non, mais j'étais comme, hé, hey, t'es vraiment fit. Parce que pendant qu'elle faisait son show, tu sais, j'étais comme, oh, je l'ai entendu. Fait que là, je commençais à regarder. Puis j'étais comme, ah, wow, yo, booty licious, là. Puis j'étais comme, moi, si j'avais un booty delicious comme ça, par mes amis, j'aimerais ça me le faire dire. Entre femmes, on se lance jamais à cette fleurs. Moi, à chaque fois, je suis comme, allô. <laughs> Genre, à une story, je fais comme, t'es belle, je tu oh, te ouais, baiserai. Ouais. Oh, moi aussi, ouais. je réponds, hé, hey, je suis sur le petit cœur, là. Puis bon à chaque fois, je suis comme, je Ouh. le dis, à chaque jour oui. je réponds à quelqu'un, genre oui. t'es belle. Belle, belle, belle. Si ouais, on ouais, disait ouais. À, ch à chaque jour à une personne, ouais. quand, tu vois passer la story et tu fais Waouh, wow, ouais, tu es belle. Oh, Juste ouais, écrire ouais, ouais. en dessous Waouh, t'es belle. Ouais. Ça fait de mal à personne, au contraire. Ça ça après ça, quand tu m'as parlé de Ben là, là box, je suis navré, je mais moi, je viens de passer à Sound ah de oui, faire okay. Cancel par Lille parce que j'ai dit, si tu es jeans ou le papotin, elle m'a fait des gros yeux. Puis là, ça <laughs> fait une de demi-heure que vous êtes comme, attends, un est vous êtes comme queen. And mais fille, moi, <laughs> j'ai. <and> enfin, <laughs> Moi, je vais dire à Charles-Antoine qui est beau parce que là, j'ai eu peur à ma carrière. Mais, mais... c'est important. <laughs> hey, je fais ça avec mes amis de gars aussi, ouais. là. Tu sais, comme, hey, Dan Martino, à chaque fois, je suis comme, t'es fou, t'es chaud, t'es chaud, raide là-dessus. Ou n'importe quel de mes amis, je suis comme, chaud. Magnifique. Ouais, es tu fou fais ça le beau. À tout le monde. Tommy, <laughs> ah, je te dis souvent. <laughs> je, à chaque fois qu'il qu y a quelque chose, je, comme, wow, beau, tu sais, ah je suis oui, comme « Wow, c'est beau! » Oui, je sais, c'est une petite wow. blague. J'ai juste des, des, des flashbacks <laughs> de ton regard avec les couteaux de dedans quand j'ai dit « papotin. J'ai Je dit « Ah oui, ça, c'était un de tes TikToks où que tu parlais de ton vagin. » j'étais comme, oui. J'ai pas dit ça, je t'ai parlé. Oui, c'était un de mes TikToks où <laughs> je parlais de mon vagin. Qu'est-ce que tu vas faire, man? J'ai rien fait, j'ai dit « C'est-tu la robe que tu disais qu'elle était à Ranoun? » C'est exactement ça qu'elle qu dit dans le TikTok. Euh, et on me chicane présentement. C'est -ce, quoi les, les timings? Parce qu'il va les faire enlever? Tu as le bout de Non, faire. je vais le garder. Je, je, moi, hey, wow. moi je suis wow. un gars, moi, un gars euh, que j'accepte que mes amis me chicanent des fois, mais littéralement, c'est un TikTok où tu dis ça. Oui. Si ça je te demandais si t'es assuré. J'ai relaté, il fait. J'ai écrit « Je suis puis là, Ça <laughs> fait comme si t'étais déplacé parce que t'avais dit le mot « vagin ». C'est une demandé. Maintenant, mais tu sais, gars c'est dur d'être un homme blanc. Si genre en... Ah, mais oui, en enfin, 2023, ça fait 2023. des épisodes, genre ça, 20 de 20 ça. 20. Ça, ça va être l'enfer. on va un un break On va être bien les quatre, on va dire que c'est top d'être un homme. <laughs> t'es-tu déjà allé sur un Break? <rire> Moi? <rire> non. <rire> non, mais. Euh... Toi, oui? Keep going, boy. Non, mais non, jamais de la vie. Prends un break, man. Pas que toi, t'es-tu es allé? On tient les micros comme les autres. On tient les Jamais allé, non? Mais euh, non, j'ai peur d'y aller parce que j'ai peur que... Tu de, te demandes le body count? Ben non, mais que mon mmh. body count ou que genre leur extrait, ça va être... Marilyn parle de ses relations anales avec les hommes. Tu ce ouais, ouais. C'est comme on finit toujours par... Ben, tout le monde finit toujours par vraiment beaucoup s'ouvrir. Moi, je, je moi, j'ai pas nécessairement de filtre. Puis j'essaie de mais en ce... faisant, Moi, je fais mes extraits pour euh, sujet de Cèdre. C'est quelque chose, que j'ai réalisé que comme je suis dans le podcast, je suis moins requin, disons. Ouais. Tu sais, il euh, y, y a des épisodes, des fois, le monde, y partent, puis ils font Ah, j'avais jamais dit publiquement que j'étais rendu célibataire, puis je l'ai droppé dans le podcast. Puis quand j'arrive à faire les extraits, je suis pas Ah Et ouais! elle ouais, ouais. Genre, je mets deux, trois extraits. Mais, mais attends, c'est le, le podcast le plus écouté, je pense, francophone. Tu sais, c'est comme. Tu sais, mm -hmm. Comprends-moi bien, ils sont, ils sont capables de faire de bon marketing, puis ça fonctionne. Tu euh, Mais pour nous, là-dedans. Ouais. Mais c'est pour la personne, t'es genre. Oh oh ouais c'est vraiment ça mais je, je, je l'écoute et je trouve ça Ils oh. font rire je les trouve mais c'est que parce qu'à tout bout de champ je vois un extrait mettons passer sur TikTok j'ai rien contre les gars le running gag c'est juste à tout bout de champ à toi et moi je vois un extrait où ils disent on a manqué de tout arrêter puis les gars <laughs> sont comme notre relation est tough t'en es même puis il fait je suis fatigué. Pis ça me fait rire cette de semaine, voir trois gars qui font un podcast à Butch. Comme... Cette semaine, en, ils ont fait un podcast de une heure et demie qui, qui est sorti de genre pas, euh, pas Patreon, là. Qui est sorti où est-ce qu'il expliquait la situation de Frank et GNT? Okay. GNT, ça? Ouais. Encore, parce qu'il y en avait parlé à couple ouvert, puis il y, y, y en avait à sexe oral, puis il en avait parlé aussi. Il euh, a, a fait un podcast d'une heure et demie dans le bain, il a parlé de euh, gente qui était revenu de son voyage solo, puis qui avait compris des affaires. Ils sont très, mais je vais te dire, <laughs> des hommes qui s'expriment. Bien, c'est correct, ça. Ils vont, ils s'expriment. C'est juste, moi, voir du monde, cest <laughs> que c'est top faire un podcast? Je pense aux Je suis pas en train de dire que nos défis, ça n'en est pas, mais. En ce ouais, moment, on a un toit sur notre pas tête, passer. on travaille pas dehors, puis euh, c'est ça. Puis euh, on n'est pas euh, dans un pays en guerre, là, tu comme. On n'est pas ça. en Ukraine. Ou en Palestine. Ouais. En Palestine. J'avais <laughs> besoin de le C'est super. <laughs> Vous pouvez voir les notes de, de Douas <laughs> sur Instagram qui, au deux jours, nous rappellent il y a une, une guerre en guerre. Palestine. C'est important. Ouais, un génocide, plutôt. T'as-tu vu le. Un le, matin, il y avait Je l'ai partagé, là, c'est genre Noël au Québec, Noël euh, à Gaza, puis c'est genre la moitié d'un sapin, puis c'est. Comme l'explosion, genre. Je... Fait, ces gens je vont. Puis ils ont inondé tous les, les tuyaux. Puis là, les égouts. Puis là, il y a des inondations en plus à Gaza. Tu sais, genre, ces gens-là. Moi, je suis déprimé depuis le début de l'année parce que Ukraine puis euh, Palestine, je pensais qu'à une moment la planète, on pouvait faire. Hey, tout se met en rond, tassez, mettre en Russie, tout retourne chez vous. Ouais, ben, est comme, on disait, Mais c'est comme, si comme si les gens avaient pas évolué. Ben, en tout cas, comprenons-nous bien, les, les gens. Pour l'argent, le territoire et le pouvoir sont prêts à faire n'importe quoi. Ouais, oh, ouais, mais je pense que c'est comme aussi la menace nucléaire, tu sais, des ententes entre les pays, mais en tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y en a dans même. Quand ça a pété en Ukraine, là, je suis niaiseux, là. mais je convaincu Mais dans quatre minutes, toutes les autres armées de la planète font. Yo, yo, pas cool. Mais non, c'est l'argent, mon pote, l'argent. Je sais, mais là, je suis les... devenu un adulte. Cette année, je m'affirme, puis la guerre existe. Si tu peux pas, tu peux pas dire... Si ton allié, l'autre bord, dit pas la même affaire que toi, là, tu, vas, tu vas mal paraître. Oui, mais t'as des accords d'échange. Oh, oh, au niveau... Euh, lucratif, des échanges économiques. Là. Ah ouais, Ça fait que là, tu te fermes terrible. ta gueule un peu, tu te places en arrière, puis tu fais mm. Ouais, c'est triste, mais malheureusement, nous, on a de beaux échanges avec ce pays qui est contre. Ouais. Ouais, que... est puis on n'est pas touché. On n'est vraiment pas touché. Ouais, c'est aussi, ah, si on s'implique et qu'après on est touché, je vais facile. avoir l'air de quoi? Bah, puis on s'implique que lorsque les gens nous ressemblent, puis les, les gens nous ressemblent pas La j'ai entendu La pire qu dit, en la phrase que j'ai entendue par rapport à l'Ukraine, c'est quelqu'un qui a dit dans un café on dirait que ça nous touche plus parce que le monde sont comme nous, tu sais. Oui, mais c'est très comme, Mais les autres sont, aussi, c'est des humains. Plus ouais, ah. oh, stie, il est blond. Ouais. Mon fils est blond. Oui, non, mais c'est que c'est des gens qui ont des chiens, tu sais qui vont à l'école et tout ça. Fait que tu sais, ils ont des vies normales. Donc. Ah mm. oh, mais non, ce serait un Parce que nous, les on autres ont des vies anormales, anormales c'est ça. Un ben peu Et voilà, puis moi. Si je te disais qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient qui étaient dans les trois derniers mois aux États-Unis, on ferait tout comme Ben Voyons donc, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est genre. Ça, je suis des pages. C'est une histoire mm -hmm. d'horreur de voir. Ça, ça mm -hmm. se peut pas, là. Puis tu fais. Il n'y a pas personne qui fait. Hey, on rentre dessus, mettons, 12 pays là-dedans. Puis on fait comme là, il va falloir que ça se calme. Mais ça va partir en Troisième Guerre mondiale, tu ouais. comprends? Fait que là, c'est genre. Ben, arrangez-vous Non, mais je te le dis, la non, Russie, mais... là, depuis que. Aux... Quand on parle de la Russie, de l'Ukraine, Chris, il y a 500 morts, là, Non. En mais... un an. Ouais, j'avoue, Et... mais tous ces pays-là, ils peuvent faire aller aux Olympiques. Mais ça, toi. ça doit peser l'eau. <laughs> C'est plus ouais. ça que. De ne plus ça... aller aux Olympiques. Maintenant, je sais, c'est ça. <laughs> yes. C'est un, <laughs> <c 'est> un, <laughs> un corps, <de rire> <sans rire> là. <pareille> ça de... <laughs> <laughs> Hey, on ne va pas intervenir, mais les deux pays qui ouais. font du trouble. Non, mais tu sais, dans le sens que je comprends, là. Mais tu comme... sais, c'est. Maintenant, je C'est Non, mais c'est que tu vois il y aussi des... quand C'est un génocide qu'on a révélé. Puis, 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 puis <laughs> il y a des gens qui ont problème à nommer ce mot-là, tu sais. C'est-à-dire. L'Union, l'Union, euh, mm. l'ONU. a yeah, exactly. Euh, eux, ils sont pas capables de dire ça jusqu'à freaking dernière semaine. tu sais. Donc, quand tu dis que des grosses organisations qui se disaient pro-humaines ne sont même pas capables, c'est qu'il y a un. Il y a quelque chose. Il y a un l'argent. Il y a de argent, argent, ben oui. beaucoup d'argent. Absolument. So, ouais, c'est vrai. Ouais. Petits... Mais ça, c'est un sujet chaud. <laughs> ouais, mais. Ouais, euh, ça, c'est chaud. Hein, ça ça hein, conclut l'épisode. Ça a été très chaud. Ouais, mais, euh, tant mieux, en un sens. Parce que. faut qu'on en parle. Absolument. Ouais. Oh ouais. Ah, non, je suis content qu'on ait parlé. Ça me fait chier dès qu'on se met embarqué dans un sujet de même, tout le monde est comme. Mais c'est pas tiède. Puis je suis comme, c'est super correct d'en parler. Ben oui. Euh, Doua, nous informe beaucoup là-dessus. Ça fait plaisir. Marocaine? Oui. Ben ouais, t'es touchée quand même. Ben, on est tous oui, touchés. Oui, puis mais... tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qu'on nous, on abordait depuis qu'on était jeunes. C'est pas, tu sais, moi, ce qui. Est pro euh, Palestine et tout. Euh, je ne criais pas sur quoi que ce soit mais on a tout le temps eu ces conversations en famille tu sais on a mmh. c'est quelque chose le où fameux on avait conflit israélo-palestinien oui, existe... existe depuis freaking ans, 75 ans hein. puis nous c'est quelque chose on, avait, on a la télé arabe donc on le voyait les images on voyait ça ce qui se passait tu sais fait euh, c'est pas parce que c'est cool c'est juste que je suis comme hey c'est le temps d'informer les gens qui ne savaient pas ça tu même dans les rap français que j'écoutais avant c'était des tunes sur ça tu sais fait que, euh... ah, pis faut s'informer aussi là il dans faut rester informé je suis, oui. euh... Je suis content que tu nous informes, mais tu n'as pas cette tâche de nous informer. On peut prendre notre téléphone et s'informer. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais exactement. Moi, c'est ça mon. On peut y couper des Olympiques. Je trouve que c'est la. À chaque fois qu'il y a un move dans le même, je suis désolé, mais à chaque fois, je suis comme. Ah, ils vont tout arrêter. Imagine, c'est là. Hey, vos coureurs. Est-ce que vraiment qu'il va y avoir des Israéliens aux Olympiques? Non, non. Non, je ne sais pas. Je pourrais même pas dire les Palestiniens ben peut-être là je sais non dire. non mais ben peu importe là là ça c'était un exemple Russie Ukraine là, un peu plus mais... ah c'est cloche moi avec <laughs> ça Bernard hey, ils ont prêt à crimer c'est nous patience mais <laughs> tu ben, tout cas mais toutes ces punitions là de ok on va couper telle affaire quand... mais là ça, la, la, la guerre Russie Ukraine c'est pas mal plus mollo j'imagine tu me cool donnes les idées mais je suis que là, ils ont demandé euh... <laughs> Ben plus mo ouais, oui, c'est plus mollo. Non, mais en ce moment, c'est. après avoir dit non, il euh, faut s'informer, <laughs> tu sais. Euh... Ben Chris, je serais pas <laughs> semblant d'avoir <laughs> euh, de l'info. Chris, tu t'as raison, c'est vrai. Je m'en venais pas à RDI un matin. Moi, ouais, mais il y a les conspirationnistes qui disent qu'il y aurait une conspiration qui dirait que, dans le fond, euh, ils, ils ont comme parti cette guerre euh, israélo-palestinienne pour un peu faire taire ouais. la guerre en Ukraine. Je pense pas. Ben non, mais si tu je dis, c'est une conspiration. Non, je sais, mais tu sais, mettons que tu checks c'est des vrais morts. je comprends pas le monde qui sont genre... Ça doit être une... mais, non. Mais, SMS, yeah. non, mais non, mais dans le sens que genre, oh, ouais. euh, Poutine se serait arrangé pour ouais. que ça pète là-bas, tu comprends-tu? Puis ouais. de. Tu sais, veux dire, tu peux, là, tu Moi, peux. le bout où j'ai vu le, 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 le président de l'Ukraine sur Netflix. Non, oh, non, Vous mais... l'avez vu cette fois-là? Je pas... sais pas. Il acteur. était sur Vogue Magazine. Non, lui, non, genre, il a, un a fait une un entrevue là. avec David Letterman. Mais lui, c'est un, a... un, a... un acteur un avant. Acteur. Ouais, mais c'était là pendant la guerre. Il était dans le métro en Ukraine pour aller parler de la guerre et tout ça. Oui. Okay. Il était même je sur des magazines. C'est hey, qui l'autre oh. invité? C'est Jonathan Robel. J'y vais. Aller. Aller, vais. Hey, Joe. On va conclure euh, l'épisode euh, sur ce sur. Euh... Fait que dans le fond, vous savez que la semaine prochaine, c'est Joe Robert. Mm -hmm. Ouais. Bonjour robert je t'en viens, tout le monde, surprise, <laughs> un petit Easter egg. Euh, merci full d'avoir été là, pour vrai. Pourquoi Easter egg? Parce qu'on est rendu au mois de mars. Je ne sais pas, Easter egg, ça ne veut pas dire que c'est un, inf... okay, 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 un... OK, c'est Pascal. OK, ah, c'est parce que... Il y a un autre collaborateur, hein, il s'abrase, ce podcast-là. Tu sens le cupcake. Bon Là, bon Pascal, bon en ce bon moment, pas, pas. pas de micro, c'est super désagréable pour hey, lui. Ben, je désagréable. suis contente de venir, genre viens quand vous voulez, j'aime ça les ben, sujets. Ben, ces, bien, dis, bon. On a fini sur un sujet chaud. Sujet chaud, ouais. mais c'est full correct. J'étais je, je, je vraiment content que tu viennes, T'es super fine d'être venu. On, oui. ouais. ah, ah ouais, okay, on a appris plein d'affaires aussi. Oui. Ah ouais, 80 000 un permis. OK, qu'est-ce qu'on a appris On a appris qu'un hélicoptère, a... c'est 80 000 un permis. 1000. 1 million. À 5 millions. Um, 5 millions. Euh, Carrie Price, petite avion à 13 000, 000 finalement. Ouais. Puis les, le, père, le père et le fils savoura sont décédés, mais And ils font des une bonnes phrases maintenant. Voilà. Puis on a appris qu'il y a des petits choux que Bruxelles. C'est <laughs> les poing. Dans le air fryer, bien, 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 ça voilà. goûte les chips. <laughs> Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Bye.